tous. À suivre dans un instant l'audition de Marie-Lise Lebranchu et d'André Valigny, respectivement ministre de la décentralisation et secrétaire d'État à la réforme territoriale. Tous les deux ont été auditionnés par la commission des lois du Sénat, présidée par l'UMP Philippe Bas, dans le cadre de la préparation du projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Ce projet de loi, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième partie de la réforme territoriale. Rappelons que pendant l'été et pendant l'automne, le Parlement et le gouvernement ont redessiné la carte de France, redessiné une France avec 13 régions, 12 régions continentales, plus la Corse. Sur ce premier texte, eh bien, on peut dire que globalement, tous les apports du Sénat pour fixer les limites de ces régions ont été balayés. Sur ce deuxième texte, Marie-Lise Lebranchu et André Valigny ont donc été auditionnés par les sénateurs avec une certaine inquiétude. Certains étaient même pleins de colère. Ils ont dû répondre à ces inquiétudes, notamment sur la disparition du département, un sujet qui a longtemps été sur la table, mais aussi sur le sort des territoires ruraux. Enfin, également sur le seuil des intercommunalités fixé à 20 000 habitants et plus globalement sur toutes les compétences qui vont échoir aux nouveaux territoires. Tout de suite donc, retour à cette audition. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, c'est vrai que nous avons fait, Monsieur le Président, avec André Valigny, un tour de France avec des débats républicains à huis clos, parce que c'était plus simple pour les uns et les autres de s'exprimer de façon très, très libre, et même si on fait confiance à nos amis de la presse, c'était l'idéal. Et c'est vrai que le dernier était effectivement vendredi à Caen. On a pu enrichir le texte, évoluer sur un certain nombre de points, même si tout reste en débat. On sait très bien qu'on pourrait avoir un débat à l'infini. À un moment donné, il faudra trancher et avoir un texte de loi. Et c'est ce qui nous réunit ce matin. D'abord, dire un mot de l'état d'esprit. André Valigny en est premier témoin comme moi. Le Premier ministre et le Président de la République souhaitent que sur ce texte, on avance au maximum sur des accords en amont avec le Parlement. Le Parlement a vraiment sa place et toute sa place, et en particulier, bien évidemment, le Sénat, dans cette discussion. L'idée étant de ne pas avoir... Je parle tout à fait librement aussi, après avoir échangé quelques mots avec le président du groupe UMP, qui ne peut pas être là parce qu'il a une session budgétaire dans son département, et qui me disait donc qu'il faut qu'on fasse, permettez-moi l'expression et de la mettre entre guillemets, mieux que pour la carte régionale et le cheminement du texte. Le Premier ministre nous a donc demandé de travailler sur les quelques points qui font débat, mais qui ne font pas débat forcément à l'intérieur de familles politiques de façon très bloquée, mais sont souvent transpartisans. On l'a bien vu au cours de nos échanges. Et quand on dit et qu'on entend dire souvent « vous avez changé d'avis sur les départements », bien évidemment oui, ça se voit, puisque les départements figurent dans le texte. Et quand on croise à la fois la question constitutionnelle, la nécessité d'avoir des majorités d'une part, et la question des solidarités territoriales d'autre part, le Premier ministre a tranché avec l'accord du Président de la République en disant on a donc un mandat devant nous pour nous poser ensemble, je dis bien ensemble, toutes les questions concernant les départements, en revanche, dès la discussion de ce texte de loi, il faut que nous soyons attentifs aux compétences essentielles et au vrai sens du mot qui doivent toujours être confiées à cet échelon. Il est vrai, et je le rappelle toujours dans les débats que nous pouvons avoir ici ou là, il est vrai que plusieurs thèses se sont non pas affrontées, mais ont été posées sur la table. Dans le rapport de M. Raffarin, Premier ministre, devenu sénateur et ardent défenseur de la décentralisation accompagné de M. Cratinger, on avait effectivement une vision qui était des très grandes régions en maintenant des départements ou bien des petites régions en supprimant des départements. Et on voit bien qu'on a fait la moitié du chemin parce qu'on n'a pas les très grandes régions du rapport Raffarin-Cratinger puisque c'était dans ma mémoire 7-8 régions. Mais des régions suffisamment grandes pour qu'on se pose l'échelon de la proximité et du lien entre la région et en particulier le bloc communal, et d'aucuns
désigne à ce moment-là très évidemment le département, même si parmi dans les familles politiques du Sénat, le débat n'est pas non plus, et pardonnez-moi, très transpartisan, même si sur certaines métropoles, la question reste posée sur un certain nombre des compétences. Donc j'aurais fini cette introduction en vous disant à quel point nous souhaitons trouver le plus d'accord possible sur ce texte. Ce texte fait suite donc à la loi MAPTAN qui a créé des métropoles en France, mais a créé un outil que j'estime essentiel, qui est la conférence territoriale de l'action publique, qui permet aux uns et aux autres d'adapter, en particulier la gestion des compétences, à la réalité géographique historique des régions de France, qui ne se ressemblent pas. Et donc l'État a reconnu le fait qu'effectivement les régions sont diverses et que, sur ce point des compétences qui peuvent être déléguées en infrarégional, par exemple, il faut faire confiance aux élus et ils sont parfaitement capables de trouver des accords au niveau de chaque région de France. Il faut malgré tout renforcer les régions. Et renforcer les régions avec une compétence en matière d'économie, de développement économique, est une compétence majeure puisqu'elle lie à la fois l'enseignement supérieur, la recherche, le développement, les transferts de technologies, à une notion de stratégie, sur quel secteur on privilégie dans telle ou telle région, et qu'est-ce qu'on espère en obtenir comme création d'emplois dans l'avenir. Donc un vrai volet stratégique du développement économique qui manque sans doute à notre pays, qui est victime de cette fameuse antienne de la fin du XXe siècle, qui était que l'économie des services allait substituer des emplois à l'économie industrielle, et c'était une erreur. Il faut continuer à travailler sur les deux pilier de l'économie des services et de l'industrie. Et donc, un retour à l'industrie implique que les régions aient cette stratégie naturellement en discussion avec l'ensemble de leur territoire. Pour ce faire, elles sont les seules à pouvoir aider directement les entreprises. Je pense que c'est une demande de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir une simplification concernant les aides directes. Et on élargit cette possibilité des aides directes à la possibilité d'entrer au capital dans des cas définis, qui sont les cas de création sur un certain nombre de secteurs. Je dis bien entrer au capital, mais temporairement. Un développement qui crée problème à l'intérieur d'une entreprise. On sait tous que des très, très gros marchés peuvent provoquer une difficulté, puisque les intrants, il faut naturellement les payer et on n'a pas tout de suite son retour en vente de produits. Donc il y a des cas très particuliers dans lesquels nous avons malheureusement vu des entreprises en grande difficulté ou être rachetées, alors même qu'elles auraient pu être sauvées et être en pleine forme aujourd'hui si on avait permis cette entrée plus rapide au capital qui aujourd'hui demande un passage devant le Conseil d'État. Donc aide directe, entrée temporaire au capital, tout ce qui est lié au ticket d'aide en termes de banques publiques, BPI, mais aussi accord à passer avec la BEI. On a eu de longs échanges à Bruxelles avec les deux commissaires en charge. Il semble en effet que sur les tickets bancaires de longue durée, par exemple, les régions pourraient être amenées à discuter de leurs garanties sur des secteurs hautement risqués en termes de technologie, en particulier, quelle qu'en soit la nature. Donc les régions sont confortées. Elles sont confortées sur tout ce qui est formation professionnelle, et la question a été posée par un certain nombre d'entre vous de l'enseignement professionnel. Je pense qu'il faut qu'on soit bien clair. Pour l'instant, dans la loi ne figure que la formation professionnelle et la discussion sur la carte des formations, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des concurrences qui n'ont pas lieu d'être entre l'enseignement initial, lycée professionnel ou technique, et les formations de type apprentissage ou récurrence, quelle qu'en soit la nature, portées par les chambres de métiers, les chambres de commerce ou d'autres organisations. Donc on a besoin de cette rationalisation. En revanche, nous ne sommes pas allés jusqu'à ce qu'un certain nombre de vos collègues ont demandé, qui est l'enseignement professionnel. Mais tout le volet formation est un volet déterminant. Je vais accélérer parce que moi je suis trop longue. Les régions conduisent énormément de schémas, ce qui veut dire beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de temps cadre, beaucoup de dépenses publiques. Et nous pensons que ces études, les régions sont contraintes de les faire,
de les conduire, pardon, mais elles ne sont pas forcément utiles. Donc l'idée, c'est de dire on arrête de faire autant de schémas. On en fait deux. On fait le schéma régional du développement économique, de l'internationalisation des entreprises et de l'exportation, avec un certain nombre d'acteurs qui seront présents et qui pourront effectivement discuter des nouveaux créneaux dont je parlais tout à l'heure, à choisir par les régions, bien évidemment. Et puis, un schéma régional d'aménagement du territoire, non pas à la parcelle, même pas au territoire communal, mais un schéma en particulier portant sur les mobilités, les infrastructures. Parce que c'est vrai qu'on voit aussi émerger des SCOT et parfois des PLU qui se construisent autour de leur histoire et qui voient arriver un pôle gare, par exemple, ou d'intermodalité qui change tout et qui les oblige à tout recommencer. Donc d'où l'idée d'avoir un vrai engagement des régions sur un certain nombre d'infrastructures structurantes en termes en particulier de mobilité, mais aussi de localisation, je sais pas, de laboratoires de recherche ou autres outils de ce type, et qui permettent après aux collectivités et au bloc communal en particulier de mieux travailler sur les SCOT et les PLU. Donc ce schéma ouvre discussion, hein, on l'a bien vu, sur son contenu, son opposabilité ou sa cohérence. Voilà, je ne veux pas aller plus loin. Je sais qu'est posée la question dans beaucoup de groupes sur l'exécutif et le délibératif, mais nous n'avons pas voulu ouvrir ce sujet qui ne nous semble pas relevé. En tout cas, André Valény et moi partageons cette idée relevée immédiatement des compétences, mais bien d'un autre texte de loi s'il fallait y arriver. Mais bien sûr, tout débat est naturellement enrichissant et acceptable. Sur les départements, la nouveauté, en fait, effectivement, c'est la fin de la de compétences générales comme pour les régions, mais la création d'une compétence solidarité territoriale qui n'existe pas. Aujourd'hui, en fait, ce sont des politiques d'aide aux communes que conduisent la majorité des départements. Et comment décrire une compétence de ce type quand il n'y a pas de clause de compétences générales? Elle avait été supprimée, ce qui interdisait toute intervention sur l'économie, qui interdisait toute intervention sur les écoles, interdisait toute intervention sur beaucoup d'objets. Donc nous, dans un premier temps, avions pensé que la bonne idée était de rouvrir, enfin de réinscrire cette clause de compétence générale. Et après nos débats, nos échanges, la conférence territoriale de l'action publique, nous en sommes arrivés plus tôt à la notion de clause de solidarité territoriale, c'est-à-dire un projet structurant important pour une commune ou pour un interco, pour un pays, pour un pôle de développement territorial ou toute autre organisation des communes qui ne sortirait pas sans une aide d'un département serait dommageable au redressement du pays. Donc l'idée, c'est bien que c'est la solidarité territoriale qui conduit les politiques du département en prenant en compte le fait que beaucoup de zones rurales ou montagnardes en particulier ont un gros problème d'ingénierie. Et cette clause de solidarité territoriale peut comprendre l'organisation d'une ingénierie départementale à disposition des communes. Je n'irai pas plus loin, nous avons 5 ans après pour nous poser des questions sur les structures départementales. Nous ne sommes pas du tout prêts sur ce sujet. Et je pense que les politiques doivent parfois dire qu'on peut avoir une idée qui semble rationnelle, hein, de Jean-François Copé à François Hollande en passant par Manuel Valls, de supprimer une structure et puis de se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça, à la fois constitutionnellement, les départements sont dans la Constitution, donc il faut une majorité, et puis pratiquement, donc on a 5 ans pour trouver la solution. Moi, je dis on a 3-4 ans pour se poser d'ailleurs des questions. Sachant que dans cette phase transitoire de 5 ans, les compétences sociales et de solidarité seront celles qui seront les plus observées par nos concitoyens qui demandent à la fois l'aide aux personnes et l'aide aux territoires les plus en difficulté et aux communes les plus fragiles. Donc, je m'arrête là pour les départements parce que c'est l'essentiel. Ce qui fait débat aujourd'hui partout, c'est routes et collèges. C'est vraiment le débat tel que je le ressens, et je crois André a vécu la même chose sur les territoires que nous avons visités, c'est est-il opportun de transférer les routes, c'est-à-dire l'ensemble des mobilités
pour qu'il y ait plus de cohérence et de coordination entre telle route, tel car, tel train, entre les régions et les départements. Est-ce que c'est une discussion qui relève de la commission territoriale de l'action publique? Moi, il me semblait que oui. Et l'idée des collèges est venue d'un constat, c'est que sur un certain nombre de cités scolaires, en milieu urbain comme en milieu rural, on a aujourd'hui 3 employeurs pour les personnels non enseignants, c'est-à-dire les collèges, les régions et les intendants. Donc avec un sujet de rationalité qui a été posé pour les cités scolaires, et je sais que ça fait débat, donc je ne vais pas au-delà ce matin. Sur les intercommunalités, parce que je vais le plus vite possible, parce que je sais que vous avez tous lu le texte et relu le texte que vous avez depuis le mois de juin, sur le bloc communal, entre-temps, donc le 15 décembre à 9h, nous discuterons de la PPL de M. Pélissard et Mme Pires-Bonne sur les communes nouvelles. Les communes nouvelles, c'est un sujet qui n'existait pas, il y a quelques 2 ans, où était extrêmement peu soulevé et de plus en plus discuté, parce que nos élus locaux prennent en charge un certain nombre de politiques publiques et pensent avec juste raison que certaines communes ne pourront pas faire face pour des raisons de population, mais pas seulement, pour des raisons d'assiette fiscale. C'est-à-dire que quand on n'a pas suffisamment d'assiette fiscale, c'est difficile de générer des politiques publiques qui, par ailleurs, sont très demandées par nos concitoyens, puisqu'y compris en milieu rural, ce que nous disent les élus locaux, c'est la montée des demandes de politiques nouvelles. On pense à la petite enfance et à différents accompagnements qui, quelques années, n'appelaient pas de politique publique compte tenu des structures familiales locales. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui et qui génère donc une forme, alors non pas d'engouement, Monsieur le Président, nous n'en sommes pas tout à fait là, mais au moins d'interrogations sur les communes nouvelles qui seront discutées à 9h le 15 décembre dans l'enceinte de cette Haute Assemblée. En revanche, pour les communes et les intercommunalités, il nous semble que la clause de compétence générale est indispensable. Je crois que c'est largement partagé sur tous les bancs. Ensuite, sur 2 points forts, la disparition d'un certain nombre de syndicats intercommunaux, nous faisons observer que beaucoup de syndicats intercommunaux correspondent à des périmètres de PCI ou infra. Et c'est quand même 17 milliards de dépenses, mais 9 milliards de fonctionnement. Donc là, il y a une vraie interrogation collective à avoir. Et donc, nous voulons supprimer le maximum de syndicats communaux, intercommunaux, vocation unique ou multiple. Et on me rétorque à chaque fois, et je pense que André Valény et Thierry Mandon, qui faisaient une réunion sur la simplification, a eu la même question. C'est certains syndicats départementaux qui fonctionnent bien. S'il y a des syndicats départementaux qui fonctionnent bien, on ne voit pas pourquoi on demanderait de les supprimer. Je veux dire, c'est vraiment la recherche là, d'efficacité qui prime. Si un syndicat a raison d'être et a peu de frais de fonctionnement par rapport à ce qu'il apporte à l'ensemble de nos citoyens, il n'y a pas de raison de le fermer. Mais c'est vrai que nous souhaitons qu'il y ait un maximum de syndicats qui disparaissent. Alors, il y a, hors compte rendu, si vous le permettez, un élu goguenard qui me disait « supprimons les indemnités ». Je pense que c'est plus profond que ça. Notre sujet porte vraiment sur la rationalité de nos engagements et la rationalisation des dépenses publiques. Je pense qu'il faut faire un gros effort sur les syndicats intercommunaux. Sur l'horizon des 20 000 habitants, le Premier ministre a répondu dès avant l'été ou juste à la sortie de l'été devant les élus de la montagne en disant qu'il y aurait forcément dans la loi un article d'adaptation. On pensait qu'il suffisait que chacun en convenait d'une, puisque c'est un article qui est très déclaratif. Il est plus déclaratif que normatif, si je peux me permettre. Il utilise d'ailleurs la clause de revoyure de 2015 qui figurait dans la loi de 2010 avec un amendement de M. Pélissard sur un report au 31 décembre 2012. Donc on utilise le même véhicule pour ouvrir la discussion sur les périmètres des intercommunalités, mais avec donc des adaptations. Et nos 2 critères adaptation, après avoir rencontré beaucoup d'élus, dont le Premier ministre et les élus de la montagne, c'est bien la densité démographique qui doit être un fait objectif d'adaptation possible, et la distance en temps de distance.
parce que ce n'est pas du tout la même chose d'avoir une quatre voies intra-rapide ou d'être à 10 heures aller-retour d'une capitale régionale. Ce n'est pas du tout de même nature. Donc c'est bien la distance entre le centre de cette intercommunalité et sa frontière qui compte. Moi, je ne crois pas à la visioconférence sur tous les sujets. Je pense que les rencontres entre élus sont riches et on doit pouvoir continuer à les faire. D'ailleurs, elles sont légales et intéressantes. Donc l'idée, c'est d'avoir ces deux critères, densité démographique et distance, temps de distance, pour éviter d'avoir des intercos qui chercheraient les 20 000 habitants, mais qui n'auraient plus de sens. Je faisais anecdote en disant que je suis allée marcher entre Séost et Lourdes parce que je voulais apprécier aussi, compris physiquement, ce qu'est une intercommunalité de montagne. Et on voit bien que les 20 000 habitants, c'est un peu difficile de les trouver dans des limites raisonnables. J'ajoute autre chose, Monsieur le Président. Suite à la discussion que nous avons eue vendredi, moi, André et moi, on est tout à fait à l'unisson sur cette écoute. Quand vous avez une interco de 18 390 habitants en zone de vitalité démographique, il ne faut pas à tout prix la casser. C'est-à-dire qu'il faut, la raison l'emportera sur une contrainte qui n'est pas mathématique, mais qui est un objectif. Et cet objectif est lié au fait que la ressource fiscale est rare, on en convient tous, qu'il faudra bien évidemment réformer la DGF pour prendre en compte le fait que nous voulons protéger les terres agricoles, les espaces naturels, et qu'en fois de quoi, il faudra trouver un autre critère que le seul bâti pour déterminer les dotations de l'État, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont déterminées que par le bâti. Et c'est vrai que nous avons un vrai sujet d'évolution de la DGF pour prendre en compte la problématique particulière des territoires ruraux qui doivent protéger la terre agricole, les espaces naturels et j'en passe. Et donc, nous avons, à côté de cet objectif de révision de la DGF, André Vallini et moi, nous sommes donnés le mois de juin pour avoir une proposition bâtie avec nos services et des parlementaires qui voudront bien travailler avec nous. Il faut entre-temps prendre en compte ces intercommunalités pour leur périmètre. Donc les préfets auront une instruction simple et on verra avec vous quelle est la modalité, puisque l'idée, c'est bien d'avoir une réunion départementale des commissions intercommunales, mais d'avoir en présence du préfet une vraie étude de la situation pour conduire à une bonne rationalisation. Je termine sur un point, parce que je sais que tous les autres, vous les connaissez par cœur, sur les métropoles. D'aucuns et beaucoup veulent rouvrir le dossier des deux grandes métropoles de Paris et de Marseille. À ce jour, l'étude de l'OCDE sur l'évolution de la valeur créée, donc du produit intérieur brut de ces deux grandes aires géographiques françaises, montre qu'il faut effectivement trouver une solution pour rationaliser les dépenses publiques dans ces grands ensembles où l'hyper-richesse côtoie l'hyper-pauvreté, tout le monde le sait, mais où on a des vrais problèmes à régler de logement et de transport, essentiellement, qui sont les deux grandes questions que sont posées sur ces métropoles. J'ajoute sur Aix-Marseille-Provence une grande question de porte méditerranéenne et de rationalisation des équipements sur l'interland du port en particulier, qui perd de ses parts de marché par rapport à Gênes, Valence et Barcelone. On a, nous, toujours la même position. Je pense que le texte tel qu'il a été voté était un bon texte et l'ouverture qu'on fait aux demandes nombreuses de tous les groupes politiques et d'un certain nombre d'élus est de trouver un statut sui generis pour les territoires qui permettrait aux maires de ces territoires d'être mieux entendus sur des documents, en particulier des documents d'urbanisme, mais aussi sur leurs priorités d'investissement. Donc nous sommes favorables à cette ouverture à un statut des territoires. Nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils aient possibilité de lever l'impôt. D'aucuns proposent la CFE. La CFE, aujourd'hui, sur l'aire de Paris, par exemple, va de 5 à 30, ce qui provoque beaucoup de dumping entre les territoires. Quand on peut faire une CFE très basse, on continue d'accueillir des locaux de sièges sociaux, diverses activités économiques. Quand on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'assiette fiscale suffisante pour porter les autres politiques publiques et qu'on est à 30, on n'a aucune chance d'avoir un développement
sur son territoire. Donc moi, je pense que pour éviter le dumping et la concurrence, je dis toujours la concurrence, ce n'est pas une valeur, c'est un fait. Il vaut mieux penser coopération. Et pour passer de la concurrence à la coopération, je pense qu'il vaut mieux lisser la CFE, même sur un long temps. Même sur un long temps, on peut dépasser les 10 ans. On peut comprendre que de lisser quand on a une telle différence est difficile. En revanche, laisser la liberté de taux, je ne vois pas comment, en respectant la Constitution, on laisse la liberté de taux et on lisse en même temps les taux. Je pense que là, on arrive à une impasse non seulement en droit, mais me semble-t-il aussi fonctionnel. Voilà. Le mieux maintenant est d'entendre. Merci, Madame le ministre. Monsieur le ministre, peut-être. Oui, monsieur. Monsieur le Président, merci. Deux mots à mon tour pour dire que je me réjouis, comme Marie-Lise Lebranchu, d'être ce matin devant la commission des lois du Sénat, parce que le gouvernement, Marie-Lise Lebranchu l'a dit, attend beaucoup du débat parlementaire sur ce texte qui concerne au premier chef la Haute Assemblée, la Chambre des collectivités locales. C'est un texte qui touche au cœur des compétences de nos collectivités et comme le Premier ministre a eu l'occasion de vous le dire déjà, mesdames et messieurs les sénateurs, le 28 octobre dernier, comme il l'a dit au président Larcher, comme nous en avons discuté ensemble, monsieur le président de la commission des lois, nous voulons vraiment que ce débat soit le plus constructif possible et que le Sénat apporte sa contribution essentielle à cette réforme des compétences de nos collectivités locales. Pour résumer ce texte que Marie-Lise Lebranchu vient d'exposer, on peut prendre trois formules. Aux régions, le développement économique, aux départements, la solidarité, et aux intercommunalités, la proximité et les services de la vie quotidienne. Sur le développement économique, un mot pour dire que le débat commence à s'engager et il est passionnant sur l'idée d'étendre le développement économique et tout ce qui concerne l'aide aux entreprises, à l'internationalisation des entreprises, à l'innovation, tout ce qui fait l'attractivité de nos territoires, d'adjoindre à tout ça, à titre expérimental, dans les régions qui le souhaiteront, le service public d'accompagnement vers l'emploi. Ce serait pour le coup une œuvre décentralisatrice qu'on inscrirait dans la loi. Je sais que vous en avez parlé en commission. Vous savez que le Premier ministre a évoqué cette idée le 28 octobre et nous sommes preneurs évidemment d'un débat sur ce sujet qui n'est pas facile, y compris au sein des administrations d'État concernées. Deuxième mot, et j'en aurai terminé, cette réforme territoriale, en fait, elle vient accompagner en quelque sorte toutes les réformes territoriales qui ont lieu aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où nous parlons, sur nos territoires. La crise économique et sociale, et donc la crise des finances publiques qui en découle, et donc la baisse des dotations que nous sommes obligés d'infliger aux collectivités locales et qui est dure à supporter pour elles, qui oblige les élus à faire des efforts considérables de rationalisation de leur gestion, eh bien tout ça conduit à ce que les élus eux-mêmes conduisent sur leur territoire des réformes. La mutualisation entre communes ou entre communes et intercommunalités, l'agrandissement avant même la loi, passant éventuellement le seuil de 5 000 à 20 000, l'agrandissement des intercommunalités, il y en a sur tous les territoires, dans tous les départements, des intercommunalités commencent déjà à réfléchir à s'agrandir encore. D'autres, ils sont très réfractaires, je le sais, mais moi, je vois l'aspect positif de ce qui peut se passer ici ou là. Des départements eux-mêmes se rapprochent. Mutualisation, j'en ai parlé l'autre soir en débat, en séance, lorsque nous examinions la loi de finances pour 2015. Des départements se rapprochent, mutualisent leurs services, le Loiret-Cher, l'Eure-et-Loir, la Drôme et l'Ardèche. D'autres veulent aller plus loin encore, la Savoie et la Haute-Savoie. Je recevais les deux présidents, Guémard et Monteil, l'autre jour, et ils veulent faire une collectivité unique à statut particulier. Le débat est compliqué. Mais enfin, tout ça pour vous dire que la crise des finances publiques et la baisse des dotations, qui est très difficile à assumer, je le répète, conduit, et c'est presque un effet positif de ces difficultés, conduisent les élus à se poser beaucoup de questions et à bouger eux-mêmes. Alors si la loi que nous vous proposons de voter permet d'aller plus loin, les accompagne, les soutient et leur donne des possibilités d'évoluer, ce sera encore mieux, mais je vous le répète, les élus locaux font preuve de beaucoup de créativité
pour faire face aux difficultés qui sont les leurs. Voilà ce que je voulais ajouter rapidement, Monsieur le Président, mais maintenant le mieux, c'est qu'on puisse évidemment répondre aux questions. Merci, Monsieur le Ministre, et j'allais dire, chers collègues. Donc, nos rapporteurs vont intervenir successivement. Et donc, Monsieur Van Dieren, donc. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Vanini. En profiter pour dire que nous avons des relations de travail avec vous-même, bien sûr, mais aussi avec vos collaborateurs et notamment la DGCL qui sont excellentes. Il faut quand même le dire en exprimant de la reconnaissance à cet égard. Et puis poser sur le texte d'abord un certain nombre de questions très précises ou de validation. Hein. Donc on a bien compris que la réforme globale de la DGF qui devait initialement intervenir au PLF 2015 est programmée maintenant pour le PLF 2016. Donc, premier renseignement. Deuxième renseignement, on a bien compris qu'on n'est pas sur un texte de décentralisation, mais d'organisation entre des collectivités territoriales. Mais la décentralisation va nous arriver incessamment sous peu. C'est-à-dire, y aura-t-il avant la deuxième lecture au Sénat des annonces sur des décentralisations de services, de services aujourd'hui exercés par l'État vers les collectivités? Parce que dans un souci d'optimisation de la dépense publique, c'est formidablement important d'unifier le régime des aides économiques, mais tous nos auditions, tous nos collègues souvent nous disent, mais attention, il y a des doubles emplois avec les échelons d'État et les nouveaux services qui apparaîtront dans les régions. Qu'est-ce qu'on peut savoir de précis? Et en tous les cas, y aura-t-il des mesures là-dessus? Parce que la revue des missions, etc., on en sait très, très, très peu de choses. Troisièmement, il n'y a pas de vraie décentralisation sans travailler aussi sur la déconcentration. Vous dire, mais là, c'est plus une info, que le poids pris par les DREAL, les directions régionales, est excessif, qu'un grand nombre de préfets disent eux-mêmes qu'aujourd'hui ces services extérieurs ne rendent plus de compte qu'à leur administration d'origine ministère, et que s'il y a quelque chose à faire en termes de déconcentration, il faut se polariser sur les DREAL. Je vous assure qu'on ne perdrait pas son temps, hein. Et ça, j'avais envie de vous le dire. Et enfin, ah oui, j'allais oublier, j'ai une dernière question récurrente. Y aura-t-il, et quand, un amendement gouvernemental sur Paris et Marseille? Voilà, je m'en... Merci, cher collègue. Monsieur le Président, Jean-Jacques Hyest. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, de nous avoir apporté quelques lumières supplémentaires. Moi, nous avons un texte qui date de juin 2014, qui avait un objectif clair, et je le dis, hein, si vous désossez le document, c'est ça, et l'étude d'impact aussi. Le département, il faut l'évaporer, ou le supprimer à terme. Alors, c'était évaporer, c'est une gentille, c'est la mort douce, quoi, en fait. Hein. Et puis, voilà. Et c'était écrit. C'est l'expression de Monsieur Édouard Balladur. Oui. Oui. Mais c'est pas pour ça que. Bon. Et contrairement à ce qu'il y avait, moi je l'avais dit lors du débat sur la délimitation des régions, on me disait non, c'est pas ce qu'on a dit, c'est écrit dans l'étude d'impact. C'est écrit. Bon. Alors on est un peu gêné puisque on a un texte qui ne correspond plus à la volonté du gouvernement, puisque vous nous avez bien précisé, Madame la Ministre. Enfin, on ne sait pas très bien, mais enfin bon. Enfin, nous, on a compris comme ça. Il y a des questions constitutionnelles, donc pas de suppression du département sans révision constitutionnelle. Ça, on l'a toujours dit, bien que certains aient dit le contraire à un moment. Enfin, je ne sais pas où ils ont appris le droit constitutionnel. Et puis, les solidarités territoriales,
Eh bien oui, ça, c'est quand même le département, malgré tout. Alors, moi, nous, on va agir dans un domaine très simplement. On va reprendre la philosophie de l'article 1er A que nous avions inscrit dans la loi sur la délimitation des régions. Avec, bien entendu, on nous avait dit qu'on nous écouterait, on l'a vu, parce que rien. Même sur le rien. Hein, et la CMP, ça a été même presque caricatural. Donc, on est un petit peu inquiet. On nous dit on vous écoute. Et puis, en fin de compte, nous, on préférait être un peu entendus. Ça serait beaucoup mieux. Alors, Madame la Ministre, nous, on va raisonner, je vous le dis, en fonction de, effectivement, clarification des compétences. Ça, oui. Il faut arrêter que tout le monde s'occupe de tout. Et tout le domaine économique, moi, je vous le dis, peut-être que des collègues ne seront pas... Nous avons l'intention de proposer que ça soit la région, qui fixe un certain nombre de règles, parce qu'il faut, en sortir quand même. Chacun fait son petit truc, c'est pas bien. Ce qui ne veut pas dire que sur le plan local, c'est les interco et communes interco qui font les zones d'activité, etc. Oui, bon, ça, mais il faut quand même qu'il y ait un schéma et puis que tout le monde s'y tienne un peu. Bon. Par contre, et on se pose des questions, vous dites on va attendre la deuxième lecture, mais nous on aimerait bien avoir le bloc total, savoir où on va. On se pose quand même une question, les régions vont avoir la compétence en développement économique. Ils ont la compétence désormais totale en matière de formation professionnelle. Avec d'ailleurs quelques réflexions sur comment faire que... Enfin, il y a quand même quelques petits soucis sur le comportement des régions, même. Il faut bien le dire. Hein. Est-ce qu'on privilégie ce qu'il faut vraiment? Bon. Avec, parce que c'est l'objectif, c'est quand même la formation professionnelle, c'est l'acquisition de l'emploi, pas forcément... dans la région, d'ailleurs, il y a tout un tas de problématiques comme ça qui ne sont pas résolues. Il faudra bien qu'on les résolve. Nous, on s'intéresse à les régions ont les lycées, mais le lycée, c'est pas seulement le lycée, ça ne s'arrête pas en terminale. Il y a toutes les formations post-bac. Et puis, on souhaite quand même leur donner plus de rôle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Là aussi, il faudrait peut-être quand même qu'on aille un peu plus loin si on veut que ça soit cohérent. Et bien entendu, si on donne la formation professionnelle, si on donne le développement économique, on se dit, mais c'est quand même un peu, il manque un pied à la table. C'est l'emploi. C'est l'emploi. Alors, comment mieux associer les régions, je dis associées, hein, Madame la Ministre, je ne suis pas... comment mieux associer en matière d'emploi les régions, ça c'est notre préoccupation vraiment. Et on n'attendra certainement pas la deuxième lecture, on va essayer de faire des propositions, parce que ça me paraît quand même très important. Voilà, alors en dehors de cela, bah, écoutez, l'intercommunalité... Écoutez, il y a eu un effort considérable qui a été fait dans notre pays, on l'oublie. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des communes participent à un EPCI à fiscalité propre. On avait prévu une révision, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaitement cohérentes. On peut essayer de convaincre, il y a des choses qui ne correspondent pas au bassin de vie. Il y a quelques intercommunalités qui ont été construites, non pas pour, mais contre d'autres. Enfin... Ça existe encore un peu, de moins en moins. Arrêtons de fixer des seuils qui n'ont pas de sens, franchement, qui peuvent avoir un sens. 20 000 habitants en Seine-et-Marne, toutes les intercommunalités sauf une font plus de 20 000 habitants. Donc le problème est réglé. Ce qui ne veut pas dire qu'en Seine-et-Marne, tout est cohérent. Bon, voilà. Et donc, je n'évoque pas, bien entendu, Madame la Ministre, la métropole parisienne avec ses extensions, ses immenses communautés inventées par le préfet de région. Ça, de toute façon, on fera des propositions, mais ça, c'est en tant que francilien, plus qu'en tant que rapporteur
de l'ensemble de la loi, m'extrayant des préoccupations locales. Voilà les quelques questions et réflexions. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, évidemment, la réforme territoriale intéresse tous nos collègues et toutes nos commissions s'en sont saisies en désignant des rapporteurs pour avis. Je vais leur proposer, s'ils le souhaitent, d'intervenir après les rapporteurs qui viennent de s'exprimer au nom de la commission des lois. Monsieur Savary, qui est rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Merci, oui. Merci, Madame le ministre, Monsieur le ministre, pour vous dire les sentiments suite aux auditions qu'on a pu avoir et qui, parfois, limitent le périmètre de notre exercice. Si on veut véritablement clarifier, par exemple, dire que les CAMS, pour entrer vraiment dans le dur, qui au jour d'aujourd'hui sont financés à 80% par l'État, 20% pour le département, c'est une politique strictement sanitaire, il n'y a pas lieu qu'il y ait 20% de département. Article 40. Rapprochement, vous l'aviez proposé, des foyers d'accueil médicalisés, double tarification au département ARS, par rapport aux masses, simple tarification État, ou ARS, ou Sécurité sociale, hein, je bloque État, on doit les rapprocher. Simplification, un seul décideur, un seul payeur. Article 40. Vous avez fait une avancée, madame, si j'ai bien compris, sur le service d'accompagnement à l'emploi qui pourrait être décentralisé. Vous pouvez le proposer, mais si nous le proposons, transfert de charges de l'État, ben, article 40. Derrière l'accompagnement au travail, vous avez l'accompagnement social, la globalisation de l'accompagnement social. Avantage, on reprend l'usager au centre du dispositif. Et non pas selon son statut. Ce n'est pas statut RSA, vous dépendez du département, vous êtes tel politique, statut ASS, etc. On replace l'usager. Donc, accompagnement social global confié à l'insertion, pour la partie insertion sociale, en complémentarité de l'insertion professionnelle, région. Si on veut simplifier, si on veut simplifier, et penser que l'insertion, dans le cas du parcours vers l'emploi, commence à la partie sociale avant d'être socio-professionnelle et puis professionnelle, puis véritablement politique de l'emploi, si on veut simplifier, confier l'insertion, vous pouvez le proposer, on ne peut pas. Article 40. Donc l'exercice est très très limité. Comment peut-on se sortir de ça? Sinon, on ne clarifiera rien. On aura des grandes idées, des heures et des heures de débat, et on n'arrivera pas vers une loi qui sera plus lisible par nos concitoyens, et je tenais à vous en alerter, parce qu'on découvre ça au fur et à mesure. Moi, je viens de travailler encore pendant une heure là, et demie d'essayer de faire des amendements pour clarifier dans le domaine social. À chaque fois, c'est un transfert de charges, tantôt de l'un vers l'autre, etc. Donc, c'est complètement bloqué. Et dans le domaine social, j'attire votre attention, puisque l'article 23 confiait aux métropoles, notamment certaines actions sociales, le service départemental d'action sociale, c'est-à-dire les assistantes sociales, et il n'y a plus de vision globale pour le reste du territoire. Ce qui veut dire que ça a ses limites. Il faut que ce soit, par exemple, facultatif et non pas obligatoire. On va travailler là-dessus. Mais on a une limite dans ces transferts de compétences automatiquement. D'autre part, j'ai une question précise à vous proposer. C'est à propos de l'article 24, où vous dites bien plus de compétences générales pour les départements, le grand 1, hein, le 1. Plus de compétences, mais vous rendez bien compte que ce n'est pas concevable si on n'a plus la clause de compétence générale et que le rôle de le deuxième pied des départements de solidarité des territoires, faut trouver quelque chose. Alors vous trouvez quelque chose effectivement en disant on peut continuer à accompagner financièrement les communes. Ça c'est limite parce que financièrement les départements auront juste les moyens de continuer leurs actions obligatoires et je ne suis pas sûr qu'ils dégagent encore des moyens pour. Mais il faut le mettre et c'est bien parce que nous y sommes attachés pour le développement rural. Mais vous parlez également que nous pourrions intervenir et contribuer au financement d'opérations d'investissement en faveur d'entreprises de services marchands, nécessaires bien sûr aux besoins de la population. Alors je voudrais avoir un peu la définition des entreprises de services marchands. Voilà. Merci. Merci, cher collègue. Est-ce que Madame Létard veut intervenir à son tour pour la commission des affaires économiques, dont elle est le rapporteur pour avis? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Je suis donc pour avis sur la, bien évidemment la thématique du développement économique, et c'est peut-être un peu moins complexe que sur les autres aspects, puisque là-dessus on voit que les choses ont été clairement précisées sur la nécessité de voir la région comme étant véritablement porteuse de cette compétence économique et en tout cas de l'organiser. Et on l'a bien vu au travers des auditions que nous avons pu mettre en place au niveau des affaires économiques. La question pose plus aujourd'hui sur la mécanique qui va permettre de construire avec l'ensemble des niveaux de collectivités concernés, particulièrement les territoires, la gouvernance et en tout cas la préparation, la construction du schéma régional et sa déclinaison ensuite. C'est vrai que les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait un schéma régional qui rentre dans le détail du détail, ou est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir quelque chose qui reprend les grands principes, qui définissent les grands enjeux stratégiques et comment ils se territorialiseront ensuite, peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire au travers de contrats territoriaux, de conventions territoriales. Et on voit bien que tout ce qu'on entend converge là-dessus et sur la nécessité et l'attente des territoires et des collectivités, des intercommunalités, quelles qu'elles soient, bien évidemment, eh bien, d'être complètement en phase et en tout cas durablement branché au travers des CTAP sur cette construction partagée, ça ressort fortement. Il y a une question que je me posais, telle que le texte sur la compétence économique est rédigé aujourd'hui. Alors c'est un point de détail, mais quand même qui est important. On dit que ce schéma régional va veiller à ce que les aides ne contribuent pas aux délocalisations d'activités économiques au sein d'une région ou d'une région limitrophe. Et dans le même temps, on voit qu'en ce qui concerne les métropoles, on aura deux schémas qui seront adoptés conjointement et qu'à défaut d'accord, les orientations adoptées par la métropole concernée doivent prendre en compte le schéma régional. Cette question des métropoles est la façon dont on doit prendre en compte, mais on n'est pas obligé de les prendre en compte. Attention peut-être, et si on pouvait avoir des précisions sur le risque qu'une métropole puisse avoir des règles du jeu, des aides effectivement économiques qui seraient délivrées à des entreprises ou des dispositions qui seraient peut-être différentes du reste de la région. En tout cas, j'aimerais avoir, Madame la Ministre, à ce stade, des indications sur comment on analyse cet aspect des choses dans le texte à ce stade. Et le dernier point, et je sais qu'il est le souci de nos deux co-rapporteurs, c'est celui de l'ingénierie économique. Comment vous imaginez la construction et le pilotage, ou en tout cas la coordination des ingénieries économiques présentes sur un territoire régional, sans pour autant les enserrer dans quelque chose de rigide, qui pourrait peut-être donner l'envie de se désengager à certains niveaux, mais comment aujourd'hui voyez-vous et imaginez-vous au niveau du gouvernement une structuration intelligente et en même temps soucieuse de laisser de la souplesse au territoire? Merci, cher collègue. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, j'avais une question à poser. Elle est assez courte. Quel est votre dessin, D-E-S-S-E-I? Oui, point d'interrogation. Je pensais m'arrêter là, mais je voulais dire que ce débat est marqué du fait qu'il y a eu beaucoup d'éléments successifs qui sont arrivés, de positions successives et changeantes. On peut théoriser cela en disant, après tout, nous sommes en réflexion. La réalité est souvent comme cela, Monsieur Hyest. La réalité ne consiste pas à dire il y a un schéma, il s'applique. Non, j'ai remarqué, mais je vous ai regardé. Et non, mais tout à fait, mais c'est amical, hein, très très amical. Donc la réalité, cher ministre, n'est pas qu'il y a un schéma a priori puis qu'on l'applique. Mais moi, je rêve toujours d'une loi qui dise nous voulons repenser la France, l'organisation, autour de régions fortes et de communautés fortes, qu'elles soient métropoles, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou communautés de communes. Et je pense qu'il y a là une grande clarté, une grande logique. Alors, bien entendu, je sais bien que ça suppose des évolutions quant à la structure départementale, et qu'il était sans doute imprudent d'annoncer que celle-ci disparaîtrait un jour J. Mais en même temps,
ce n'est pas, je crois, trop demandé que de demander vers où on va. Et autant je crois que le département reste nécessaire dans certaines circonstances, on a beaucoup parlé des départements dits ruraux, autant je crois qu'il faut affirmer clairement cette orientation, parce que sinon, on est toujours dans un entre-deux. Alors on peut théoriser l'entre-deux en disant, voilà, c'est bien comme ça, c'est pas dogmatique en effet, mais c'est pas mal non plus d'afficher une perspective. Et moi, dans certains des discours qui ont été tenus par l'exécutif, j'ai senti clairement cette perspective à certaines époques, certaines semaines. Et j'aimerais que l'on porte peut-être davantage cette perspective. Bon, mais je vais arrêter là pour ce jour, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Tasca. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais tout d'abord remercier les ministres pour leur capacité d'écoute et je pense qu'en écoutant, ils entendent aussi et que cela se traduira dans le travail parlementaire où nous nous engageons. Ici au Sénat, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous êtes au cœur de l'attachement aux collectivités territoriales, donc il est clair que le Sénat prendra toute sa part dans ce débat, mais vous êtes aussi au cœur de l'extrême diversité des territoires. Et ici, nous sommes particulièrement conscients que tout schéma général peut être contredit par des nécessités locales, par la diversité des territoires. De ce fait, je veux aussi féliciter le gouvernement de ne pas avoir baissé les bras. Les problèmes soulevés par cette diversité sont tels qu'il eût été tentant de renoncer à la réforme. Donc, personnellement, je soutiens cette volonté de réforme. Alors, je vais poser quelques questions qui ne sont pas du tout celles d'une spécialiste. D'abord, je crois que le thème central de la réforme, c'est la clarification des compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre état d'esprit concernant la compétence générale, parce que le gouvernement a beaucoup hésité sur ce sujet et j'avoue personnellement ne plus très bien voir comment cette réflexion s'inscrit dans le texte tel qu'il est aujourd'hui et comment on mène à la fois le chantier de la clarification des compétences tout en ménageant une part de compétences générales. Autre question concernant la clarification des compétences, mais ma collègue Valérie Létard l'a déjà évoqué. Comment pensez-vous articuler la compétence économique des régions et la compétence économique des métropoles? Je pense qu'il y a là un terrain très, très important et il me semble que l'article 3 du projet de loi n'apporte pas pour le moment de réponse claire sur cette question. L'intercommunalité, c'est évidemment au centre de cette réforme et en fait de la démarche qui a été engagée par notre pays depuis la loi de 99 essentiellement. Et c'est au cœur de la transformation du paysage administratif de notre pays. Alors, pour les intercommunalités, le passage du seuil de 5 000 à 20 000 habitants a fait couler déjà beaucoup d'encre et inspire quand même beaucoup d'inquiétudes sur certains territoires. J'ai bien noté, Madame la Ministre, que vous évoquiez un article d'adaptation et vous avez même énoncé deux critères qui me semblent pertinents, mais pas toujours faciles à combiner. Le critère de la densité démographique et le critère de la distance en temps, au fond, pour préserver la nécessaire proximité. Mais est-ce que ce seuil de 20 000, vous avez des éléments qui vous font penser que c'est un seuil d'efficacité? Pardon? Bon, voilà, donc, cette question. Enfin, mais Jean-Pierre Sueur vient de l'évoquer, qu'est devenue l'idée
de faire un sort particulier aux départements ruraux. Où en est la réflexion du gouvernement sur ce plan? Puis une dernière question plus technique. À l'article 33, il est prévu une action récursoire de l'État vers les collectivités en cas de condamnation pour manquement à une disposition européenne. Cette proposition, est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle reflète une faiblesse du contrôle de l'égalité des collectivités? J'ai terminé, Monsieur le Président. Merci, cher collègue. Monsieur Jean-Pierre Vial. Oui, Monsieur le Président, deux observations, deux questions. La première, où je m'associerai largement aux propos de notre collègue Savary, en expliquant effectivement qu'une partie de cette réforme se trouve fortement conditionnée à des engagements de l'État si on ne veut pas effectivement se trouver bloqué par l'effet de l'article 40. Et c'est vrai que parmi les sujets que notre collègue Savary évoquait, on voit au niveau de la région l'intérêt que pourrait porter le regroupement du bloc formation-emploi. Alors j'entends bien, Madame le Ministre, vos réserves, voire votre position qui nous préoccupe, voire nous inquiète. Comme si la réussite de la réforme devait porter sur un effort et l'ouverture des collectivités et que l'État était rétif. Je regrette, la réussite de la réforme doit également reposer sur un engagement de l'État, comme si les administrations devaient avoir un droit de réserve. Vous avez d'ailleurs vu tout à l'heure le quasi-applaudissement qui a suivi les observations portant sur la DREAL. Ça montre bien, si vous voulez, qu'il y a là-dessus des réformes qui doivent aller de pair entre l'État et les collectivités. Alors, je n'aborderai pas celui du regroupement des collectivités, notamment des départements, quand j'ai vu la forte adhésion, pour ne pas dire le soutien implicite du ministre Valigny à certaines propositions qui étaient faites, enfin que j'ai considérées comme telles, notamment dans la région Rhône-Alpes, sur la proposition qui était faite de regroupement de certains départements, puisqu'il est même allé jusqu'à évoquer la Savoie, la Haute-Savoie. Je n'ai pas parti parler de la nouvelle collectivité, monsieur le ministre. Je ne voulais pas maintenant vous faire dire ce que vous n'aviez pas dit. Mais il m'avait semblé, par contre, qu'en ce qui concernait le regroupement des départements, c'était quelque chose, mais c'est intéressant que vous puissiez vous prononcer. Sur ma question, elle rejoint tout à fait l'observation de Madame Tasca, que je prolongerai, sur effectivement en matière d'économie. Vous avez d'ailleurs commencé par là en disant l'économie aux régions. Permettrait de dire que le moteur de l'économie est quand même fortement conditionné par l'enseignement supérieur, la recherche. Or, on voit bien aujourd'hui la question qui se pose pour les collectivités dans une région où on peut voir la compétitivité qu'il peut y avoir ou un éclaircissement nécessaire entre ce qui relève de la région et des métropoles. Et si je reviens à la région qui me concerne, quid par exemple de l'économie de l'enseignement supérieur de la recherche entre une région et les deux métropoles que sont Grenoble et Lyon, quand on sait par exemple que les communes sont portées à ce niveau-là. Et puis, dernier point, sur l'intercommunalité, là aussi les choses ont été largement évoquées en ce qui concerne les périmètres, les surfaces, je n'y reviendrai pas. En revanche, Madame la Ministre, vous avez montré quelques réserves en ce qui concerne les syndicats intercommunaux en nous parlant des forts budgets, notamment du fonctionnement. Je pense que là-dessus, on aurait besoin un peu quand même d'éclaircissement parce que je pense que la réponse est un petit peu rapide. En revanche, nous voyons bien que sur la mise en place des intercommunalités, la nécessité de pouvoir utiliser des syndicats intercommunaux. Je prendrai un exemple dans mon département où effectivement il y a eu un regroupement qui s'est fait sur un périmètre des 20 000 habitants. Le préfet est allé de façon très volontariste sur la suppression et c'est lui-même qui après a été obligé de solliciter la mise en place de syndicats pour pouvoir sauver des compétences qui ne pouvaient pas être absorbées. On voit bien que la mise en place d'une intercommunalité ne peut pas se faire à marche forcée et que l'utilisation des syndicats intercommunaux est très souvent la souplesse qui nous est nécessaire. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Président. J'avais espoir parce que Madame la ministre nous a dit qu'elle était allée à Lourdes et je me suis dit que... Oui, mais dans les Hautes-Pyrénées, vous êtes allée. Donc,
Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Peut-être parce que pouvez-vous encore ceci, y aller. Ceci explique cela. J'avais donc eu un espoir qui ne s'est pas réalisé. Et je me suis dit, une apparition de la réalité de nos collectivités était peut-être possible. Je crois que ces deux textes, je l'ai dit, je le maintiens, sont dévastateurs pour les territoires interstitiels. Dévastateur. Je ne partagerai pas le début de l'excellente intervention de notre collègue Catherine Tasca, et je partage par contre ses questions, c'est que je n'ai pas eu le sentiment que le gouvernement était à l'écoute du Sénat sur les questions de réforme de collectivité. Nous en avons d'ailleurs eu récemment la preuve absolue avec le premier texte, puisque tout ce que nous avions proposé a été systématiquement balayé. Donc, ma première question, c'est de savoir clairement si c'est la même chose, parce que nous sommes quand même saisis d'un texte avec un seul document émanant du gouvernement. J'y lis à la page 5 l'exposé des motifs, c'est « Le débat pourra s'engager sereinement sur les modalités de suppression des conseils départementaux à l'horizon 2020 ». J'y lis un certain nombre d'articles, clarification des compétences. Moi, j'ai toujours été d'accord et j'avais voté le rejet du retour à la clause de compétence générale partout. Bon, vous avez changé heureusement d'avis, c'est une très bonne chose. Mais une fois qu'on a dit ça, le tout, c'est de savoir ce que l'on met dans les compétences, mais quelles sont, Jean-Pierre Sueur l'a dit, quel est le dessin? J'ai bien compris quel était le sien, nous n'avons pas le même. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le dessein du gouvernement. Est-ce que votre objectif, c'est toujours la suppression des conseils généraux? Dites-le clairement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu le juste avant le congrès des maires, et puis que maintenant, on est dans le juste après le congrès des maires. Mais peut-être est-ce une interprétation fallacieuse. Bon. Mais il faut le dire. Avez-vous... Quelle est la position du gouvernement là-dessus? Est-ce que c'est toujours votre objectif, oui ou non? Est-ce que tout ce qui est dans ce texte est toujours le souhait, la politique du gouvernement, oui ou non? Est-ce que transfert aux régions de la voirie départementale, c'est toujours votre position? Est-ce que transfert des collèges, c'est toujours votre position, avec le contenu qui est dans le texte, c'est-à-dire localisation des collèges et nombre d'élèves dans les collèges? C'est dans le texte. Est-ce que le transport scolaire, est-ce que c'est toujours la position du gouvernement? Sur les intercommunalités, seuil à 20 000 habitants, est-ce que vous le maintenez avec système dérogatoire ou est-ce que vous acceptez une modification, c'est-à-dire faire sauter ce seuil? Question claire, c'est oui, c'est non. Bon. Il y a aussi des problèmes de délai en matière d'évolution des intercommunalités, parce que le texte a pris du retard, beaucoup de retard, et qu'il y a des intercommunalités qui sont prêtes à aller très vite, il faut les laisser aller vite, et puis il y en a d'autres pour des questions de compétences différentes, d'organisation, qui ont besoin d'un peu plus de temps, donc il faut manifestement repousser, à mon avis, le délai. Sur ce qui est aussi en bout de... Enfin, à la fin du texte, Catherine Tasca a parlé justement des pénalités que vous envisagiez de faire supporter aux communes lorsque, au niveau européen, la France est sanctionnée. Mais la question actuelle des nitrates, par exemple, sur nos territoires ruraux... Alors, je vais vous dire que si vous envisagez de faire supporter in fine... aux collectivités, les conséquences des décisions qui sont prises par l'État sur les zones vulnérables en matière de nitrate, croyez-moi, vous lèverez la révolution dans nos territoires. Ce n'est pas raisonnable. De la même manière, il y a quand même des dispositions sur la mise sous tutelle des collectivités au niveau Chambre régionale des comptes, puis demander des expérimentations par des conventions entre Cour des comptes et certaines collectivités, c'est assez original. Donc, moi, je souhaiterais surtout, Madame la Ministre, avoir des réponses précises
à ces questions, quelle est la volonté du gouvernement? Parce que si c'est pour nous dire travaillez, construisez, ne rendez pas une copie blanche, et qu'on fasse une belle copie sur laquelle on aura une large majorité sensibilité pour ensuite faire voter la destruction systématique du texte par l'Assemblée nationale, je pense qu'on pourra s'épargner beaucoup de temps. Merci, cher Monsieur le Président. Monsieur Yves Détraigne. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre, je vais également vous interroger sur les intercommunalités. Depuis quelques années, texte après texte, on augmente les seuils en matière d'intercommunalité à fiscalité propre. On a d'abord rendu obligatoire l'appartenance de toute commune à une intercommunalité à fiscalité propre, communauté de communes ou communauté d'agglomération. Et puis maintenant, texte après texte, on renforce le seuil de population. Avec le seuil de 5000 habitants, qui est celui que doivent atteindre aujourd'hui les intercommunalités, on est à une taille de population et de territoire où on peut concevoir une intégration progressivement plus importante des communes au sein de l'intercommunalité. En passant ce seuil à 20 000, on va au contraire courir le risque de la dilution sur un grand territoire de l'intercommunalité. Je prends l'exemple du département que je connais le mieux, qui est la Marne. Nous avons un secteur aujourd'hui où une intercommunalité compte 13 400 habitants, mais pour atteindre les 13 400 habitants, elle a dû regrouper 60 communes. Comment voulez-vous arriver à un seuil de 20 000 habitants dans des secteurs comme celui-ci? On aura d'un bout à l'autre de l'intercommunalité une distance de 80 km, voire plus. Ça veut dire que aucune commune, hormis peut-être la commune centre, ne se sentira partie prenante, ne se sentira vraiment membre intégré d'une communauté. Ça ne servira à rien. On va tout diluer et on ne verra pas, on ne voit pas quel sera l'intérêt de cette intercommunalité. Donc je m'interroge sur ce seuil de 20 000 habitants. On ne peut pas décréter à Paris la population d'une intercommunalité. La France, et c'est un des charmes de la France, est variée. Nos territoires sont variés. Il faut tenir compte des territoires. On ne peut pas décréter ça comme ça. Et puis j'ai une question. Une question, j'allais dire, qui celle-là est transcourant, et même plus que transcourant, transmajorité. Texte après texte, on croit renforcer les intercommunalités. Au final, quel est l'objectif? Est-ce que c'est de couvrir le territoire de grandes intercommunalités et, s'inspirant de la loi PLM, faire des communes, des arrondissements d'intercommunalités, c'est-à-dire d'inverser le couple? Aujourd'hui, l'intercommunalité procède des communes, elle exerce des compétences que lui ont transférées la commune. Est-ce que demain, l'objectif, c'est d'inverser et de dire que la collectivité de base sur le terrain, c'est l'intercommunalité et que les communes sont des sections ou des arrondissements de cette intercommunalité? C'est une question que commencent à se poser beaucoup d'élus. Et si vous pouviez être clair là-dessus, eh bien, je crois que tous les élus vous en remercieraient, quel que soit le sens. On verrait après là, la réaction à voir, mais quel que soit le sens de la réponse, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe derrière cette manie, loi après loi, de vouloir renforcer, compléter les intercommunalités. Donc voilà ma question principale. Ma deuxième question, elle est d'ordre général, elle a déjà été soulevée par d'autres collègues. Où est la réflexion sur les moyens financiers dont disposeront les collectivités pour mettre en œuvre les compétences qu'on veut leur donner? Moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc, est-ce qu'on est en train de faire un exercice où on décrète, enfin, on légifère, pour dire, voilà,
tel niveau fait ça, tel autre niveau fait ça, puis on verra demain comment on finance. Mais on ne peut plus se payer, dans l'état de nos finances publiques, on ne peut plus se payer ce luxe de remettre à demain la réflexion. Ou est-ce que vous avez, avant de nous proposer ces répartitions de compétences et ces réorganisations territoriales, est-ce que vous avez mené à son terme une vraie réflexion sur les moyens dont on disposera pour ne pas décevoir le territoire et les élus en mettant en œuvre cette loi ? Merci, mon cher collègue. Monsieur Grémillet, nous avons encore un certain nombre d'interventions. Je ne voudrais pas pénaliser ceux qui ne se sont pas encore exprimés par rapport à ceux qui se sont déjà exprimés, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que si nous pouvions avoir suffisamment de temps pour que Madame la ministre et Monsieur le ministre puissent nous répondre, ce serait bien. Donc, je vous invite à la concision, mes chers collègues. Merci, Président. Je vais essayer de réaliser cet exercice que vous nous demandez. Madame la ministre, monsieur le ministre, effectivement, pour être très bref, l'organisation territoriale, la région, la compétence économique, oui. Mais lorsqu'on a dit ça, comment ça fonctionne avec l'architecture de l'État, des services de l'État ? Parce que c'est le point fondamental. On ne peut pas avoir d'un côté une définition, une architecture de l'organisation de la mission économique au niveau des régions. Et ce que vous avez dit, je le partage complètement et c'est attendu, le guichet unique. Qu'est-ce que c'est que, c'est tellement entendu que je me dis, est-ce que c'est vraiment possible ? Et pour avoir un vrai fonctionnement, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, du guichet unique, il faut répondre à la question, l'architecture de l'État par rapport à l'organisation économique. Deuxième point sur la formation professionnelle. Là encore, je crois que c'est un sujet vraiment de fond. Si on veut résoudre, dès lors qu'on donne la formation professionnelle aux régions, ce qui est tout à fait leur colonne vertébrale, et on voit bien le mariage à quatre, c'est à la fois la nécessité, là encore, de l'État, la place de l'État dans le retour à l'emploi, sur et la, quelque part la notion de guichet unique, pour, comme beaucoup d'élus ici, avoir accompagné des cellules de reclassement, quand on voit l'abondance de guichets pour obtenir une formation. Et, non, il faut trouver un guichet unique et là encore, quelle organisation, quelle architecture sur cette colonne vertébrale de la formation professionnelle. Et quand je dis mariage à quatre, il y a le rôle des entreprises. Si on veut un retour à l'emploi et effectivement être plus efficace, il faut trouver le positionnement de l'entreprise et aussi un positionnement interrégional. On ne peut pas, et je parle en connaissance de cause, étant dans le milieu agroalimentaire, toutes les grandes régions n'auront pas forcément des centres de formation professionnelle qui seront dédiés à des métiers. Et parfois, il nous faut trouver des passerelles permettant effectivement d'avoir des accords entre des régions sans pour autant recréer quelque chose. Je vais terminer sur l'Interco pour dire une chose toute simple. On a entendu le discours du Premier ministre qui a effectivement corrigé un peu le document écrit, le document officiel, le projet. On s'en réjouit, c'est la même chose pour le département. Mais j'ai un sentiment qu'on navigue un peu à vue et qu'on revient un peu en arrière par rapport à ce qui a été exprimé par le Premier ministre lors du débat douloureux de la définition des cartes des régions. Et je crois que, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, n'oubliez pas les populations. S'il y a bien un point clé au niveau de la structure intercommunale, c'est la proximité, mais surtout l'appropriation par les populations. Et j'ai peur que la notion de temps et de densité ne soit pas suffisante. Parlons un peu plus finement de la notion de bassin de vie et de bassin partagé par les populations. Donc soyons plus souples encore. Soyons plus souples. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Bonhomme. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Juste un élément, c'est vrai qu'entre le texte issu de documents du mois de juin et septembre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Malheureusement, il demeure beaucoup d'ambiguïté. On a le sentiment que le gouvernement a fait un pas de deux et en essayant de créer des nouvelles notions comme la clause de la solidarité territoriale qui demande vraiment d'être précisée. D'autre part, il me semble que la faute originelle vient de cette fameuse seuil de 20 000 habitants. C'est vrai que
pour la plupart de ceux qui sont dans les territoires dits ruraux, je veux dire entre la montagne et l'agglomération, il y a quand même beaucoup de départements qui sont concernés, avec des situations très précises, ce seuil est mortifère et va créer des situations, effectivement, il risque de se voir diluer le sentiment d'appartenance de ces territoires. D'autant plus que cela se fait dans un contexte double, qui n'est pas dans le texte, qui est un contexte de raréfaction de l'argent public avec la baisse des dotations, qui ne manquera pas d'avoir des conséquences, qui a déjà des conséquences sur la situation financière du département qui est fortement dégradée, hein, les taux d'endettement, l'autofinancement s'est déjà dégradé et va se poursuivre. Donc on va avoir des départements qui vont, en tout cas sur le plan financier, vont être affaiblis et dépouillés de leurs principales compétences pour n'être plus essentiellement qu'un prestataire social. Et en dépit de la clause de solidarité territoriale qui mérite d'être précisée, on voit mal comment cette architecture peut fonctionner. Donc il y a quand même ce souci de seuil de 20 000 habitants que je crois que vous devriez abandonner, parce qu'il n'y a pas de notion opérationnelle, sinon celle issue des documents INSEE qui établissent ce que c'est qu'un territoire en termes de bassin de vie. L'autre ambiguïté vient du mode d'élection. Alors, ce n'est pas le texte, mais le mode d'élection des conseillers généraux a changé. Et d'avoir introduit des circonscriptions électorales de 18 à 20 000 habitants, alors même que la notion de territoire et de bassin de vie n'a pas d'opérationnalité sur le plan électoral, ça va encore couper en deux, couper les élus. On ne peut pas dire que le mode d'élection jusqu'à présent des conseillers généraux n'était pas démocratique. Il n'y avait pas plus démocratique que le mode d'élection d'un conseiller général. Et de ce fait, avec le mode de désignation directe, ça crée un lien très fort de proximité. Avec la notion de 20 000 habitants, ça va le couper de son territoire, qui est renforcé par la réforme du mode électoral qui a eu lieu il y a un an. Donc c'est un élément qui est contradictoire et qui ne va pas arranger les choses de ce point de vue. Et aggravé par une situation financière juridique qui s'est dégradée. Voilà, donc j'espère que vous aurez la sagesse de revenir sur ce point-là, qui me paraît essentiel. Sinon, il ne restera plus, comme l'a dit mon collègue Mézard, qu'à poser un cierge et aller à Lourdes, ce qui, vous l'admettrez, est assez étonnant et donne la mesure du sentiment de désarroi des élus quand elle est même invoquée par un groupe RDSE qui est attaché, comme le sait, à la laïcité et qui évite les références religieuses. Merci, mon cher collègue. Je vais, dans un instant, donner la parole à Madame le ministre et à Monsieur le ministre. Je voudrais simplement dire que parmi tous les débats qui ont été mentionnés, il y en a qui, en réalité, sont déjà derrière nous. Le texte du gouvernement a été déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin et il est très clair que le gouvernement a mis à profit ces 6 mois qui nous auront séparés du dépôt du texte et de son examen en séance publique pour écouter, discuter et qu'il a notamment sur les départements pris des positions qui ne sont plus celles que le texte de l'exposé des motifs et le contenu du projet avait arrêté au mois de juin. Le débat sur l'avenir des départements était un débat d'anticipation en juin, c'est aujourd'hui un débat rétrospectif. Chacun, naturellement, peut avoir son idée, et même le gouvernement, et ses membres, sur ce que deviendront les départements en 2020 ou en 2030, mais ça n'est pas un sujet d'actualité. Le seul sujet d'actualité en ce qui concerne les départements, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire demain. Et là-dessus, évidemment, nous avons un débat qui doit déboucher sur le vote d'un texte qui ne peut pas, du point de vue du Sénat, être exactement, et même qui sera très différent de celui que nous avons actuellement sous les yeux, en tout cas sur ce point particulier. Nos collègues, plusieurs d'entre eux, ont mentionné la nécessité de transformer ce texte en texte de décentralisation en ce qui concerne les régions. Il faut en effet sans doute que cette réforme territoriale coïncide avec les attentes du pays dans le domaine économique et dans le domaine de la création d'emplois. Et on ne comprendrait pas, après avoir dit qu'on veut des grandes régions stratèges et compétentes sur le plan économique, qu'elles n'aient aucune
espèce de responsabilité nouvelle pour ce qui concerne la lutte contre le chômage et la reconversion des bassins d'emploi en difficulté. Sinon, à quoi servirait de faire aujourd'hui une réforme territoriale? On a là des sujets qui sont des sujets majeurs, auxquels s'ajoutent beaucoup de questions que vous avez posées, et les membres du gouvernement qui portent ce texte vont maintenant pouvoir y répondre. Mais les réponses les plus précises, la véritable épreuve de vérité, ça va être le débat des articles. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le débat des départements est derrière nous. Juste une remarque. Nous étions hier en discussion avec un certain nombre de pays européens sur les politiques publiques, les rénovations des politiques publiques nécessaires, parce que l'état des lieux montre que nous ne sommes pas totalement performants, puisque nous sommes en crise. Donc il y a quand même un sujet qui nous interpelle tous. Et les Italiens, par exemple, ont supprimé les provinces, mais viennent de créer les aires d'initiative territoriale. C'est-à-dire que cette nécessité d'un échelon de proximité est quelque chose que l'Italie vient de remettre à l'ordre du jour, mais avec un système, effectivement, de répartition de compétences et de lien total entre les élus et leur territoire qui nous interroge. Et je pense qu'on continuera à s'interroger dans les années qui viennent. Le Premier ministre a dit le changement de cap du gouvernement sur ce sujet. Moi, je dis toujours, il y a aussi noblesse à changer d'avis lorsque l'ensemble des parlementaires que vous avez en face de vous vous démontre que le choix que vous avez fait n'est pas le bon. De la même manière qu'il y a noblesse de la part d'un gouvernement à écouter le Sénat sur un sujet comme celui-là, il y aura effectivement des positions difficiles, des moments sur lesquels nous ne serons pas d'accord, mais je redis ce que j'ai dit en début de propos, notre objectif est bien de chercher un maximum de rapprochement entre ce que pense le Sénat et essentiellement cette commission, et puis vos collègues, pardonnez-moi, j'allais dire nous, mais non, de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a des collègues de l'Assemblée nationale qui vivent dans des départements ruraux, sans population, en dramatique situation. On ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas les territoires. Moi, j'ai la chance aussi de vivre dans un endroit où ma communauté d'agglomération dans laquelle j'habite, que je ne dirige plus du tout, n'est pas traversée par une quatre voies. C'est pourquoi je fais différence avec celle pas très loin, qui est effectivement qui a une voie rapide. Et il faut penser à tout cela. Nous connaissons les territoires de France. Et je pense qu'il faut que communément, nous apprenions aussi les difficultés d'autres types de territoires. Moi, je suis attentive aujourd'hui au milieu rural pour des tas de raisons. Je reviendrai rapidement avant André Malini, mais je suis aussi attentive à l'hyper-richesse et l'hyper-pauvreté qui se côtoient dans des grands territoires urbains, avec des élus locaux qui souffrent encore peut-être plus d'avoir 40% de leur population sans activité ou en situation de grave détresse. C'est pas non plus facile à gérer. Donc il faut que nous apprenions les uns les autres des territoires de France. Et je pense qu'après cette étude et ce cheminement que nous avons conduit d'échange sur les territoires de France, il n'y a plus de sujet de suppression des départements. Et je pense que le choix des régions et du nombre de régions impliquait cet échelon d'initiative territoriale. Il faudra après se poser d'autres questions. Je disais très franchement à un collègue parlementaire à l'Assemblée nationale, à un de vos collègues parlementaires à l'Assemblée nationale, que le texte qu'il a écrit pour démontrer l'importance des départements ruraux est un texte qui montre qu'à l'heure d'aujourd'hui où les départements ruraux existent, la situation est dramatique. Ce qui veut dire que la simple existence du département n'a pas réglé les problèmes. Et qu'il faut que nous le prenions en compte et que nous avons sans doute des efforts particuliers à faire collectivement sur un certain nombre de départements très ruraux, en grave difficulté, ou peut-être un petit nombre, plus petit, enfin, ou équivalent, de départements urbains également en grande difficulté. Et que notre règle de péréquation ne suffira pas. Et qu'il faut qu'on se pose aussi ensemble, effectivement, l'assiette fiscale, la question de l'assiette fiscale. Moi, je dis toujours, le département... Le débat sur les départements, quel est ce débat? C'est qui finance la solidarité? Est-ce que ce sont des assiettes fiscales territoriales? Effectivement très larges, mais qu'on ne peut pas appeler non plus de façon déraisonnable.
Est-ce que c'est ce que sont les personnes par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de tickets modérateurs pour l'APA? Est-ce que ce sont les familles? Ce serait une double peine sur la succession, nous en sommes tous convaincus. Ou est-ce qu'il y a une part de solidarité nationale à imaginer? Je le crois. Et vous avez raison, M. Savary. Sur le sujet PPE, RSA, ASS et ARE, qu'on avait oublié dans ce schéma global d'aide aux personnes les plus en difficulté, il y a un vrai sujet, parce que les départements qui ont peu de population ne peuvent pas être à ce point solidaires des populations les plus en difficulté. Donc ce sujet est un sujet majeur, est un sujet non pas de débat départemental ou rural, c'est un sujet de débat national sur le financement de la solidarité. Et j'entends votre argument de l'article 40, c'est vrai, que sur un certain nombre de points, nous étions d'accord, et que peut-être en amont de la discussion, il faudra qu'on revoie ces sujets, le financement de la solidarité sur les établissements en particulier. Et je mets de côté, parce que j'utilise cet argument comme illustration de mon propos, mais aujourd'hui, la simple existence des départements ne règle pas le problème. Et si moi, je demande une réforme de la DGF, et si je demande à ce qu'il y ait un député et un sénateur qui s'occupe de l'analyse de la DGF aujourd'hui, c'est parce que le milieu rural ne peut pas continuer à vivre avec une DGF qui n'est assise que sur le bâti et la population. Et que si on veut ne pas supprimer l'équivalent d'un département tous les 10 ans, si on veut garder notre terre agricole, notre indépendance alimentaire, si on veut garder la périmètre de captage, les NDS, les Natura 2000, dont nous avons tous besoin, ne serait-ce que pour respirer, eh bien, il faut arrêter de n'avoir comme seule base que le bâti. Ce qui veut dire que les mètres carrés précieux industriels qu'on connaît et qui doivent être protégés, portuaires et j'en passe, doivent s'accompagner hautement des mètres carrés précieux agricoles et de protection de nos espaces. Nous avons besoin de cela pour vivre, pour se battre à partir de 2035-2040 sur l'indépendance alimentaire qui est gravement en danger parce que le système d'importation des protéines végétales que je radote tout le temps va s'arrêter. Bref, nous avons besoin de travailler sur une assiette DGF qui prenne en compte la nécessité de protéger les mètres carrés agricoles et les mètres carrés des espaces dont nous avons parfaitement besoin pour vivre. Et quand on regarde à côté la demande de solidarité et un peu l'abcès de fixation sur les métropoles, je rappelle que c'est le Sénat qui a souhaité débattre des métropoles avec certes une autre majorité en premier, mais pour bien éclairer le sujet métropolitain, mais que les métropoles ont une responsabilité. Et je cite toujours Jean-Pierre Balligan de l'Institut de la décentralisation, habitant dans un milieu très rural et en très, très grave difficulté, avec des pourcentages de vote aux extrêmes qui approchent la majorité. Donc ça nous interroge. Eh bien, il me dit, moi, ce que je demande, milieu rural, à la métropole, c'est de loger les étudiants, et dans de bonnes conditions, de travailler sur leur mobilité, d'accompagner ceux qui vont en alternance. Aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité de droit des étudiants parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas payer le logement ou le transport. Donc, je demande à la métropole, parce que le milieu rural ne veut pas, et avec juste raison, porter une université, c'est beaucoup trop cher, y compris sur les niveaux de bac plus 3, je veux que la métropole accueille et cette obligation-là de solidarité. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi qu'on apprenne à échanger sur les sujets. Je vois que M. Mézard trouve que ce que j'ai dit est idiot, mais il y a longtemps que ça dure, donc ce n'est pas un problème. Mais je crois que nous avons des sujets communs entre le rural et l'urbain qu'il faut que nous abordions aussi, y compris sur les bases fiscales de la DGF, parce que le département ne réglera pas tout. Donc j'entends vos remarques et entre-temps, on pourra regarder avec Marisol Touraine en particulier un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, l'article 40 vous embêterait. Je reviens au débat général aussi vite que possible. L'abcès de fixation sur les DREAL est un abcès de fixation sur le contrôle. Alors, on a les S qui posent un problème majeur, les questions de l'urbanisme. Madame Royal a décidé de revoir un certain nombre de procédures. D'abord, pas pour que les DREAL changent, mais pour que nos citoyens changent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 90%, il y en a qui sont bien placés pour le savoir, de projets qui ne voient pas le jour compte tenu des recours. Des recours, des contentieux, des manifestations, des recours, multiples recours avec des projets. Un gros projet en termes d'urbanisme aujourd'hui dépasse 10 ans. Je parle de gros projets. Donc on a un vrai sujet de procédure à réécrire, de contentieux en amont et non pas en aval. Bref, tout ça est à l'œuvre entre André Vallini et M. Mandon et Mme Royal. On a un vrai sujet.
Et ce n'est pas l'EDREAL le problème, c'est nos procédures. C'est nos procédures, c'est nos normes, c'est nos règlements. Donc là, nous voulons absolument revoir cela parce que le fonctionnaire qui fait son travail fait appliquer le droit. Et on ne peut pas le lui reprocher. Mais en revanche, quand on a fait consultation de nos fonctionnaires pour savoir quelles seraient les simplifications, ils ont expliqué leur dure vie et le fait qu'ils estiment que notre réglementation n'est pas adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Et ils proposent eux-mêmes des simplifications, des réécritures. Je pense que sur les... je ne crois pas que le sujet soit celui des DREAL seulement, mais des directs et DREAL. Quels personnels doivent être mis à disposition des régions ou bien quels personnels auront un droit de choix, vous le savez. Sans doute que c'est direct et DREAL, mais aussi, et c'est ce que nous essayons de faire sur la revue des missions, donc qui sera publiée en février, après les 49 évaluations de politique publique qui ont été conduites, dont 35 sont terminées et sont lisibles, c'est-à-dire que vous pouvez demander les documents sur ces évaluations de politique publique. On se souvient de celle sur les 81 milliards actuels d'euros, dépenses fiscales comprises, d'aides aux entreprises françaises. Quand on voit notre taux de chômage, on a un vrai sujet. Donc effectivement, on a un certain nombre d'évaluations de politique publique à regarder de près. Je passe le logement et bien d'autres. Elles sont à votre disposition. Après ces évaluations de politique publique, plus la revue des missions qui sera donc publiée en février, je pense que et l'idée est retenue d'avoir des débats sans loi, mais simplement des débats avec les commissions ad hoc pour voir comment on va pouvoir faire évoluer les missions de l'État. L'État va fermer un certain nombre de missions inutiles. Mais en même temps, Bernard Cazeneuve, et j'ai entendu le sujet en particulier du 1A, de l'article 1A, je n'y reviens pas, nous ferons ouverture, mais Bernard Cazeneuve travaille sur l'administration territoriale de la République, de l'État, pardon, et moi de la République avec André. Et donc nous pensons aujourd'hui que l'échelon départemental est un échelon qui a été délaissé après la REAT. La REAT était une bonne idée, elle n'est pas allée au bout de son objectif, elle a explosé sur la question. Je le dis franchement, je ne me cache derrière aucune langue de bois, elle a explosé sur la RGPP et du coup, on a remis au niveau des régions un certain nombre d'expertises qui sont nécessaires sur les départements. Donc nous voulons retrouver le rôle du préfet. Préfet de région sur les grandes stratégies, on a besoin de lui. Mais le préfet, pour coordonner les services de l'État, nous avons fait quelques études sur les DDI, avec les DTM et les DDI, c'est-à-dire cette notion d'interministérialité des services, y compris à l'ère départementale. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont convaincus, avec le président de la République, que si nous ne remettons pas de l'ingénierie sur un certain nombre de départements, nous avons tort. Et enfin, le dernier point qui est à l'étude aujourd'hui, c'est la culture du contrôle. Nous avons besoin de contrôle, y compris parce que les entreprises en ont besoin pour l'exportation, y compris parce que si on n'a pas le cachet du contrôle à l'abattoir, on ne peut pas vendre ces protéines animales à un certain nombre de pays. Nous avons une forte demande d'organisation du contrôle sur ce sujet en particulier pour éviter qu'on importe n'importe quoi et qu'on exporte malheureusement des produits qui sont de qualité mais pas reconnus comme tels. Donc on a une réécriture du contrôle à mettre en œuvre pour aider l'ensemble des acteurs de l'économie comme des territoires, et puis à regarder les procédures. Et vous serez appelé, si vous l'acceptez, après tout, il n'y a pas que la loi, il y a aussi le débat qui peut faire avancer les choses, à débattre des propositions que l'État aura reçues de sa revue des missions. Je ferme parce que je veux aller vite. Y aura-t-il un amendement gouvernemental sur Paris, Marseille, les métropoles? Je vais en désordre parce que je suis obligée de partir sur la question des transports maritimes que nous aurions mal gérés. Donc j'ai une réunion ensuite sur la question des ports et des transports maritimes sur lesquels effectivement nous sommes appelés. Sur Paris et Marseille, nous aurons donc un débat sur le statut des territoires, un amendement, pardonnez-moi, sur le statut des territoires. L'idée, c'est de ne pas revenir à ce que vous avez communément rejeté. Vous avez rejeté un syndicat de PCI. Paris Métropole propose à nouveau le syndicat de PCI que vous avez rejeté. M. Kettenbach y a fait allusion tout à l'heure. Je ne vois pas comment le Sénat reviendrait sur la position qu'il avait prise lors de la loi MAPTAM, puisque le Sénat est à l'origine, et c'est quand même magnifique, de la métropole du Grand Paris, et on le remercie.
compte tenu des études de l'OCDE, compte tenu de vos positions, compte tenu des demandes de Paris Métropole, il nous semble qu'il faut donner droit à un statut des territoires pour qu'ils puissent gérer des personnels et des compétences dites des anciennes EPCI et transférées par les métropoles. Les deux sujets, développement économique, logement, transport, et je réponds à ceux qui s'inquiètent sur la Grande Couronne, ces deux sujets étant largement liés, on peut trouver une solution, j'espère qu'on trouvera une solution. Donc je m'engage à ce que cet amendement soit déposé naturellement avant vos débats, même s'il n'est pas parfait, il sera en tout cas perfectible, et nous le déposerons. En revanche, sur la Grande Couronne et l'inquiétude exprimée, nous avons voulu et tenu à ce qu'un certain nombre d'outils de grand développement, je pense à Roissy, je pense à Saclay, je pense à Marne-la-Vallée, je pense à votre grand ensemble de Val d'Oise, qui est un des plus dynamiques que nous connaissions en ce moment avec ces outils que vous avez, nous avons tenu à les garder à l'extérieur. Il y a un grand problème de liaison, de mobilité entre les salariés potentiels de Roissy, par exemple, et un certain nombre de territoires. Nous devons porter ce sujet. Nous porterons ce sujet. Il y a, bien sûr, dans la continuité du gouvernement précédent, qui avait raison de poser la ligne de Grand Paris Express, donc on ne va pas remettre en question ce qui avance, on y a même mis quelques milliards. En revanche, il y a des zones comme la vôtre dans lesquelles, effectivement, il y a des impossibilités, puisque pratiquement pour travailler d'une commune X à Roissy, il faut revenir par Paris pour repartir de l'autre côté, c'est aberrant. Donc nous allons engager ce travail avec la Grande Couronne et l'Île-de-France, dont je rappelle qu'elle a la compétence transport, qu'elle a un outil opposable, elle est la seule aujourd'hui à l'avoir, et qu'il faut qu'à l'intérieur de cet enchevêtrement institutionnel, on y voit un peu plus clair, donc on est d'accord pour avancer là-dessus. Donc, Monsieur Guest, l'évaporation des départements, alors je ne sais pas où c'est écrit, peu importe, dire que on peut se tromper sur l'échelon. Mais j'ai dit, je suis le président de votre commission, on ne va pas discuter sur ce qui n'est plus à l'ordre du jour. En revanche, vous avez raison de poser le lien économie, formation professionnelle, service, post-bac, enseignement supérieur, recherche. Votre question est tout à fait pertinente. Pardonnez-moi. Votre question est une excellente. Je ne sais pas comment dire pour que pas avoir l'air de vous juger. Vous souvenez, Monsieur Yes, que dans un mandat précédent, si vous n'aviez pas été là, je n'aurais guère progressé. Donc, je veux vous dire que sur ce sujet-là, on a ouvert la porte de l'accompagnement vers l'emploi, qui suit ce que vous avez dit. On a prévenu le président du Sénat, après le président de la commission des lois, que ce sujet est ouvert. Monsieur Larcher est l'ancien ministre du Travail qui a rassemblé la NPE et les ACDIC. Si c'est fait, sinon l'idéal eût été de décentraliser les ANPE et de garder les ACDIC au niveau national. Malheureusement ou heureusement, moi je ne veux pas juger du passé. On a maintenant Pôle emploi et je ne sais pas couper Pôle emploi. Donc, je ne coupe pas Pôle emploi et nous allons proposer, Monsieur le Président, une expérimentation au sens de l'article 72 de la Constitution. Donc, convention par convention, nous allons proposer cette expérimentation. Je sais que de votre côté, vous allez sans doute proposer des amendements. Nous n'allons pas proposer la création d'un nouveau service régional, mais des conventions d'objectifs et de moyens entre l'outil et la région. Peut-être des mises à disposition de personnel, c'était le vœu de Monsieur le Président du Sénat et de Monsieur le Président de la Commission des lois. Il n'y aura pas une autorité, mais un chef de fila dans ce cas, puisqu'il nous faudra au moins un mandat pour voir si tout cela fonctionne. Je vous dis que l'opposition la plus forte que j'entends est celle des missions locales. Ce n'est pas l'État qui est le plus... On l'a vu tout le monde hier, madame. Voilà. Donc, d'autres pistes peuvent être explorées, comme la montée en puissance des régions aussi au conseil d'administration de Pôle emploi. Ce n'est pas rien d'être présent dans un conseil d'administration. Le transfert de la tutelle des missions locales et des maisons de l'emploi aux régions, qui fait débat, mais j'ai envie de vous dire aussi violent que celui sur les départements. Et la fusion des structures d'accompagnement à l'emploi à l'échelle régionale. Nous avons posé tout sur la table. Nous sommes en phase d'expérimentation avec André Valigny, Thierry Mandon, le ministère de l'Emploi, pour voir comment tout ça peut s'articuler.
Et nous ferons proposition, mais nous attendons également des votes dont on sait qu'elles seront forcément pertinentes, n'est-ce pas, monsieur Hyest. Sur le post-bac, vous avez raison. Les BTS sont à la fois des outils très qualifiants, parfois des outils refuges. Une famille qui n'a pas les moyens d'offrir une formation longue choisit le BTS. Donc il faut aussi que nous fassions attention à l'égalité des possibles pour les jeunes. Mais ce sujet sur l'enseignement supérieur est ouvert. Aujourd'hui, il n'est pas ouvert sur la pédagogie, il est ouvert sur les contenants, pas sur le contenu. En revanche, il est totalement ouvert sur les transferts de technologies, les incubateurs universitaires et les lycées créent des centres de ressources techniques, les lycées techniques avec leur BTS, créent les CRT qui sont de merveilleux outils de transfert. Donc c'est vrai que sur ces outils-là, la tutelle de la région apparaît une tutelle bienveillante et peut-être à écrire. Je vais de plus en plus vite. Les uns les autres avaient parlé de solidarité territoriale et de périmètre des intercos. Je laisse le détail à André, mais on a fait converger toutes les études, à la fois l'INSEE, CGET, sur les bassins de vie et les territoires vécus, pour avoir à la fois une interco qui fonctionne au maximum et qui soit efficace. Donc peut-être, et sans doute tu y reviendras, un de nos soucis reste cette appréciation négative que j'ai entendue à l'Association des maires de France, débat sur l'interco, vous étiez nombreux, sur la disparition de la commune. L'interco est le seul moyen, à mon sens, pour sauver la commune. Il y a beaucoup de communes qui ne peuvent plus répondre à la demande de service de leurs citoyens, et je pense que l'intercommunalité forte est le seul moyen d'y répondre. Il faut qu'on soit très précis sur ses compétences. J'ai entendu que l'intérêt communautaire était consubstantiel de la pensée de l'AMF. Je ne suis pas certaine que dans tous les cas, il faille laisser le choix. C'est toujours le problème du heurt entre le désir et le droit. Hein. Même si le droit est souple, même si je crois beaucoup à la société du contrat, il y a quand même sur un certain nombre de compétences sans doute à ordonner les choses. Donc, le seuil de 20 000 est documenté, comme dirait un certain nombre de nos collègues, mais André y reviendra. J'ai entendu à partir de... Mais Madame Létard nous a quittés, mais non, elle est là. Sur les grands enjeux, les grands dessins, moi j'entends toujours ça et j'attends qu'on me les écrive. Je l'ai souvent dit, si vous avez la solution pour écrire en 30 lignes le grand dessin de cette histoire, moi je n'ai qu'un, c'est redresser le pays. Et redresser le pays, c'est répondre à ce que demandent nos citoyens aujourd'hui. Ils demandent de l'emploi, bien évidemment. Mais ils demandent de pouvoir vivre correctement où ils sont, ils demandent de plus en plus de services. Et comment on met en adéquation cette demande forte, la nécessité de redresser le pays, c'est-à-dire on défend ou on ne défend pas, mais le CICE est un engagement financièrement lourd qui nous oblige par rapport aux dotations des collectivités territoriales. Les 50 milliards d'économies, un engagement très lourd par rapport aux collectivités territoriales. Je ne vois pas comment on aurait demandé participation. Mais l'enjeu global, c'est le redressement du pays. Moi, je crois que tous les territoires ne sont pas simplement des territoires de vie des citoyens. Ce sont des facteurs de production. C'est horrible de dire ça parce que je me dégage de la culture qui est une culture empathique de l'individu et du territoire. Mais c'est vrai que ce sont des facteurs de production et qu'aujourd'hui, nous avons des territoires qui créent moins de valeur qu'ils ne pourraient le créer. Parce que les structures ne peuvent pas répondre. On discutait avec un président de conseil général récemment sur « je suis à 10 heures de ma capitale régionale, à 12 heures de Paris et j'ai besoin, moi, d'avoir une structure aéroportuaire ». Oui, il y a quelques projets de ce type qui doivent être accompagnés parce que sur un certain nombre de territoires, il n'y a pas d'autre solution, sauf à perdre ce territoire comme entrant dans les facteurs de production territoriale de la France. Donc oui, répondre aux inégalités territoriales, oui, il y a bien sûr la ressource, mais il y a aussi l'ingénierie. Je reste persuadée aujourd'hui que les territoires les plus fragiles sont ceux où il n'y a pas d'ingénierie. Et on ne peut pas répondre aux appels à projets qui sont quand même des écritures assez libérales de l'action publique, aux manifestations d'intérêt ou autres. On a un vrai sujet. C'est vrai. Quand il n'y a pas d'assistant parlementaire, pardonnez-moi cette expression, pour écrire le projet de la petite communauté de communes rurales, ce projet ne voit pas le jour. On a un vrai souci et on a une vraie réflexion à porter. Et quand on crée la solidarité territoriale, c'est avec cette idée que certains territoires auront besoin d'une solidarité en termes d'ingénierie et d'accompagnement. Et quand on parle des services marchands, on était obligé de l'écrire. Pourquoi ? Parce que la compétence économique est donnée aux régions. Et quand on parle des services marchands, on pense aux multiservices,
On pense au dernier commerce d'une commune rurale et son agence postale. On pense à ces petits outils privés, donc marchands, appartenant au secteur marchand, qui ont besoin d'une aide. Et on pense même à des regroupements de médecins ou de professions paramédicales qui appartiennent au domaine libéral, donc au secteur marchand, et qui peuvent avoir besoin d'un soutien. Donc il fallait l'écrire pour éviter qu'à un moment donné, un citoyen en appelle au droit pour éviter ces difficultés. Donc c'est pourquoi nous l'avons écrit. Ce sont des outils que vous connaissez par cœur. Sur ce dessin toujours, personnellement, je le redis, je pense qu'il faut sortir de la concurrence entre les territoires pour arriver à une vraie coopération. Moi, quand j'ai défendu les routes au niveau de la région, c'était en disant que certains départements ne peuvent plus les porter. Et qu'au fond, la compétence régionale obligeait à une péréquation à la fois de fait et de droit pour porter ces routes. Si le Sénat pense différemment, il pense différemment. Mais je rappelle qu'on a une conférence territoriale de l'action publique dans laquelle, à ce moment-là, il faudra parler aussi des solidarités. Concernant les collèges, l'idée, c'était, gardons-nous plusieurs employeurs sur des cités scolaires. Si les parlementaires pensent majoritairement que le collège est mieux géré au niveau du département, alors regardons de près. Regardons de près. Et c'est peut-être dans la conférence territoriale de l'action publique que la région va demander à tel département ou tel interco de gérer une cité scolaire, lycée-collège. Parce qu'il y a certaines régions qui demandent et qui vont demander, qui l'ont déjà exprimé fortement, à ce que certains lycées soient aussi gérés, à condition que la ressource soit transférée par la collectivité régionale, bien entendu, par des départements. Donc, il ne faut pas croire qu'il y ait cette espèce d'opposition qui soit dogmatique entre les régions et les départements. Je pense que si on a fait cette conférence, et je rebondis sur ce qui a été dit sur la clause de compétence générale, la clause de compétence générale, on l'a réinstallée pendant la période transitoire parce qu'on n'avait pas la conférence territoriale de l'action publique. Vous l'aviez supprimée, ça posait un certain nombre de problèmes, y compris pour les multiservices, une aide aéroportuaire et j'en passe. Donc on l'a remise dans cette période transitoire. On peut l'enlever à nouveau parce qu'on a cette conférence territoriale de l'action publique et qu'on a créé la clause de solidarité territoriale qui évite un recours destructeur dont on n'a pas besoin sur les départements. Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai cette réunion sur les transports maritimes et commencé. Je vais demander à André de continuer, y compris sur la responsabilité concernant les fonds structurels et des choses de ce type. Ou je dis juste sur les fonds structurels, si tu veux, on revient de la réunion avec la commissaire il y a 10 jours. Nous avons écrit la responsabilité parce que la gestion des fonds structurels étant confiée à nos conseils régionaux désormais, la responsabilité en cas de manquement doit être portée par celui qui gère les fonds structurels. Donc c'est bien pour le transfert de la gestion des fonds structurels que nous avons écrit que l'État ne portera pas les pénalités si une région n'est pas à la hauteur de ce qu'on lui demande d'être ou si elle fait des erreurs. En revanche, bien sûr, sur la part FSE qui peut être utilisée par exemple pour des entreprises intermédiaires, pour des actions d'accompagnement vers l'emploi d'un certain nombre de jeunes chômeurs, l'État restera responsable parce que ça se contractualise et je pense que nous éviterons des contentieux inutiles avec la Commission et je demande, si le veut bien André, de continuer pour que j'aille m'occuper des ports et des transports maritimes. Madame la ministre, merci du temps que vous nous avez consacré et de la précision de vos réponses. Et effectivement, donc, monsieur le ministre, si vous voulez bien compléter un certain nombre de réponses sur les points qui restent en suspens. Excusez-moi. Oui, donc sur les entreprises de services non marchands, monsieur Savary vient d'avoir la réponse. Il y avait une question sur la certification des comptes des grandes collectivités territoriales dont les produits de fonctionnement sont supérieurs à 200 millions d'euros. Il s'agit donc, quand on certifie des comptes, de viser à assurer leur régularité, leur sincérité et leur fidélité. Il y a des réticences, c'est vrai, de la part des collectivités locales et de leurs élus à s'engager dans un dispositif perçu comme suspicieux d'abord et puis surtout comme lourd et coûteux. En fait, le dispositif qui est proposé est facultatif. Facultatif. Il ne concerne que les collectivités dont les produits, je le répète, de fonctionnement sont supérieurs à 200 millions d'euros. Il est protecteur pour ces collectivités parce que la Convention précise le champ, le référentiel et les moyens avec avis des ministres compétents. Il est progressif et un bilan intermédiaire sera fait à 3 ans et définitif à 8 ans
pour les collectivités qui se seront portées candidates et volontaires à cette certification. Je reviens d'un mot sur les finances et la DGF, la CVAE aussi, puisque lorsqu'on parle des finances, notamment qui seront nécessaires aux régions pour exercer leurs nouvelles compétences, on évoque immédiatement, et c'est normal, la CVAE. Tout ça sera en débat dès l'année prochaine, dès les mois qui viennent, dans le cadre de la préparation du PLF 2016. Et ça rejoindra la réflexion que nous aurons, qui est liée évidemment sur la réforme de la DGF, dont je parlais avant-hier à la tribune lors de la discussion budgétaire du PLF 2015. Il faut non seulement réformer globalement la DGF, la rendre plus lisible, plus simple et plus équitable, notamment à l'égard du milieu rural, et il faudra faire des transferts de fiscalité, sans doute des départements vers les régions en termes de CVAE, étant précisé que tout ça devra être adapté aux compétences qui resteront exercées par les départements et aux nouvelles compétences qui seront confiées aux régions. Je pointe d'ailleurs chez les présidents de région une petite contradiction dans le fait que ils ne souhaitent pas forcément beaucoup de transferts de compétences à part l'économie, mais beaucoup de transferts de CVAE. Et moi, je réponds chaque fois au président de région, vous ne pouvez pas demander beaucoup de CVAE si vous dites par avance que vous refusez toutes les compétences qu'on voudrait éventuellement vous transférer. Donc le débat aura lieu, bien sûr, avec les associations d'élus au sein du comité des finances locales et d'abord au Sénat et dans votre commission. Sur les communes, moi je partage évidemment ce qu'a dit Marie-Lise Lebranchu. La seule façon de sauver les communes françaises, c'est l'intercommunalité. Elles l'ont bien compris d'ailleurs. Depuis 20 ans, on a assisté à un mouvement considérable, une révolution silencieuse sur nos territoires, qui continue d'ailleurs. J'ai des chiffres ici. Au 1er janvier 2013, depuis la loi de 2010, au 1er janvier 2013, 200 mouvements avaient lieu de fusion, de rattachement de communes isolées. Et au 1er janvier 2014, on était à 300. En 2 ans, nous avons connu une diminution de 2600 à 2150 intercommunalités. 2600 à 2100 en 2 ans. C'est énorme. Donc la révolution silencieuse s'accélère en plus. Et la loi de 2010 a eu un effet bénéfique. Notre volonté est d'aller encore plus loin. Pas forcément très vite, mais en tout cas un peu plus loin. Et même beaucoup plus loin pour certains, puisque 20 000 habitants paraît un seuil très élevé. La plupart d'entre vous l'ont dit. Ce seuil, il pourrait être, s'il est retenu par le législateur, il pourrait être évidemment abaissé par des dérogations nombreuses qu'on pourra, dont on pourra multiplier les critères démographiques, géographiques, kilométriques, etc. Maintenant, si le législateur souhaite abaisser ce seuil, on est prêt, bien sûr, à y réfléchir. Certains parmi vous souhaitent même le supprimer totalement. Il faut faire attention, quand il n'y a plus de seuil, les choses bougent moins vite. Lorsqu'il y a un seuil, avec des dérogations, ça oblige quand même à réfléchir, à se poser des questions. La vraie question que beaucoup se posent, et moi je la ressens sur mon territoire, comme on dit, et dans toute la France, parce que je circule beaucoup, c'est que les élus nous disent, on a déjà dû bouger depuis la loi de 2010 pour monter à plus de 5000 pour ceux qui étaient en dessous. On a dû redécouper les cantons. Ça n'est pas le même sujet, mais c'est quand même un sujet connexe. Et vous nous remettez en chantier une carte intercommunale. J'entends tout ça, bien sûr. Donc on va en débattre et le Sénat donnera évidemment un avis très circonstancié, très autorisé et très écouté, Monsieur le Président Mézard, sur ces questions, toujours. Je reviens aux communes. J'ai un exemple à vous citer du Conseil général de l'Isère où nous débattions il y a 15 jours de la répartition de subventions. Je ne citerai pas le nom de la commune, même si le maire ne le prendrait pas forcément mal. Elle a 89 habitants. Elle s'est lancée dans un projet très modeste à l'échelle du département, très important pour elle, de rénovation de sa salle des fêtes. Elle est subventionnée pour ce projet à 90% par l'Europe, la région, le département, la communauté de communes. Et il manque 10%. Oui, et il manque 10%. Et elle ne les a pas. Et le maire de cette commune nous demande de financer les 10%. Mais oui, mais ça existe encore. Alors, c'est vous dire si on peut se poser la question de la justification à ce jour de communes de cette importance.
Et c'est vous dire si la PPL, la proposition de loi Pélissard et celle de Mme Pires-Beaune est bienvenue, sont bienvenues dans beaucoup de départements. Et là encore, ça bouge énormément. Ces deux textes, la future loi que vous avez adoptée hier matin en commission des lois, je crois, qui vient bientôt en décembre au Sénat, cette loi suscite beaucoup d'intérêt. Beaucoup, beaucoup d'intérêt. Dans mon département, j'en suis à près d'une dizaine de fusions qui sont envisagées. Sur les compétences des départements et des régions, d'abord sur les départements, si on reprend le texte de ce qu'a dit Manuel Valls en avril 2000, de cette année, 2014, il annonçait que le débat allait s'ouvrir d'ici 2021 sur l'avenir des départements. Il ajoutait « Moi-même, Manuel Valls, je suis favorable à leur suppression, mais je propose d'engager le débat ». Jamais annoncé la suppression des départements avec une date couperet, jamais. Il a dit que lui était favorable et qu'il fallait qu'on y réfléchisse d'ici 2021. En tout cas, tout ça est derrière nous. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'on va de plus en plus vers, et ça heurte beaucoup les cartésiens que nous sommes, je n'ai pas dit les jacobins, mais on peut être girondins et cartésiens. Les cartésiens que nous sommes sont habitués à un jardin à la française en termes d'administration territoriale de la République. Voilà. Et on sait bien que ce modèle n'est plus celui qui convient aujourd'hui. Et en disant cela, je réponds à Jean-Pierre Sueur qui demandait quel est votre dessein, votre grand dessein. Mais on peut avoir un grand dessein et une ambition modeste. Le grand dessein, parce que c'est un grand dessein, c'est d'être utile au territoire, d'être utile aux collectivités territoriales à remplir le mieux possible les missions difficiles qui sont les leurs. Alors, voilà, c'est une loi qui a évolué au fil des mois. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a écouté le Parlement et les associations d'élus. C'est une loi qui donne des outils aux régions, aux départements, aux intercommunalités pour rendre les meilleurs services publics aux citoyens et aux usagers qui sont, on le sait, de plus en plus exigeants. Et je crois que ce qui caractérise notre démarche dans la poursuite de ce grand dessein d'être utile aux collectivités territoriales, c'est le pragmatisme. La France n'a plus besoin d'être administrée de la même façon de Lille à Perpignan ou de la Bretagne à l'Alsace. J'ai évoqué tout à l'heure la collectivité à statut particulier que souhaitent créer les Savoyards. Ça pose un problème parce qu'au moment où l'on renforce les régions, et la future grande région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur le plan économique, il serait dommage qu'une partie importante de cette région, une partie importante sur le plan économique, les deux Savoies, fassent en quelque sorte, et entre guillemets, sécession. Puisque dans cette collectivité à statut particulier, les Savoyards voudraient évidemment mettre le développement économique. Donc il y a un vrai souci, on en parle avec les présidents des deux départements, mais il faut évidemment adapter l'administration territoriale de la République aux différents territoires de la République. Et je renvoie pour terminer à un rapport passionnant que vous connaissez mieux que quiconque, qui est le rapport du sénateur Alain Bertrand, sur l'hyper-ruralité notamment, sur le rôle des conseils généraux et sur la taille des intercommunalités. Le sénateur Alain Bertrand que j'ai reçu il y a quelques jours, avec qui j'ai passé une heure et demie, formidable, parce qu'en plus il est très sympathique. Le sénateur Alain Bertrand dit à quel point il est important, notamment en milieu rural, d'avoir des intercommunalités de taille suffisante pour avoir de l'ingénierie, pour avoir un DGS, pour pouvoir rendre des services à la population. Comment ? 40 000, non. Ah non, non, mais pas en milieu rural, c'est pas possible. Si vous dites que 20 000, c'est déjà trop, alors c'est... Non, mais le sénateur Bertrand, sénateur de la Lozère, s'il y a un département rural, c'est bien celui-ci, lui considère qu'il ne faut pas avoir des intercommunalités trop petites, sinon elles ne pourront pas faire ce qu'on attend d'elles. Voilà, monsieur le président de la commission des lois, ce que je voulais vous dire pour compléter ce qu'avait dit Marie-Lise Lebranchu. Voilà pour cette audition commune d'André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale, et de Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation. Vous avez pu l'entendre, ils ont dû faire face à une certaine inquiétude du côté des sénateurs sur ce projet de loi NOTRe. Nouvelle organisation territoriale de la République, ce texte qui prévoit les nouvelles compétences des territoires, régions, départements, intercommunalités, communes. Alors depuis cette audition, eh bien, la discussion générale sur ce
texte s'est tenue au Sénat les 16 et 17 décembre. Rappelons que sur ce projet de loi, eh bien, le gouvernement a tenté de lâcher du lest, notamment sur la question de la suppression du département qui n'est plus à l'ordre du jour, également sur le seuil des intercommunalités, seuil sur lequel eh bien, Manuel Valls, le Premier ministre, s'est annoncé prêt à la négociation. Reste à voir maintenant si les promesses seront tenues et seront suivies des faits. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.